Ok. Oh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Test. Délai. Délai. 3 secondes. Bit. Bit. On est d'accord. Ok. Let's go. Tout fonctionne bien, tout est réglé. Tac, tac, bang, bang. Musique, on est parti. Ouais, ça va faire un peu musique, mais c'est pas grave, ça va faire ce show. Hein. Allez, on est parti, ça décolle là. Voilà, ouais, c'est fort le son. Ça doit être mieux. Bah non, comment c'est. Comment tu sors fort comme ça, gros? Mélangeur. Mélangeur de volume. Comment ça se fait qu'il sort aussi fort comme ça le son? Ouais, c'est que si je coupe ça, je n'entends plus les alertes. Ah, je me suis dit, bon, on leur fait une blague sur le Discord avec Mika, on switch d'identité en mode je stream machin, bon, perce tout le monde, s'en bat les couilles. Je me suis dit, putain, c'est le moment parfait pour stream, tout le monde s'en bat les couilles de moi. J'existe plus. Yes. En même temps, c'est vrai que je stream plus, hein. On passe. Là, ce soir, là, tu vois. Ce soir, j'ai rangé la baraque. Bon, alors, pas derrière. Mauvais exemple derrière moi. Mauvais exemple. Il y a le linge et le bordel. On oublie. Mais ouais, je me suis fait à manger. Je me suis fait une petite purée maison. Petit filet de poisson et tout. Tranquille. Alors, on commençait à me mettre de la musique. J'étais bien détendu, tu vois. J'ai rangé le bordel que Rose m'a mis toute la semaine. Et puis, je me suis dit, tiens. Bah, j'ai envie de stream. J'ai pas la flemme. J'avais envie de stream pendant la LDC, mais j'avais la flemme. Alors j'ai pas stream. Et là, j'avais pas la flemme. Je me suis dit, c'est un petit samedi soir tranquille. Il doit y avoir des gens comme moi ce soir qui sont seuls. Un samedi soir. Pas une bière à la main dans un bar à regarder cette charmante jeune fille qui s'appelle je ne sais pas quoi. Non, ce soir, on est devant l'ordi. Et au lieu de mater un boulard un peu plus tôt que prévu, les gars, je vous connais. Un petit stream, un petit FM. J'ai une partie que j'aime bien en plus. Je vais vous en parler par la suite. J'espère que vous êtes au top. Re-ADM. TLH, ça va très bien, bonsoir. Merci encore Toto. Tirwan, bonsoir. C'est surfait, les femmes tellement surcotées. D'abord, l'épanouissement personnel. Je suis heureux avec moi-même. J'ai confiance en moi-même. Je me sens bonheur. Après, je trouve mon complément. Clairement, avant d'être un bon attaquant, il faut créer des occasions, il faut créer des espaces, il faut croquer des occasions. Commencer à marquer des buts tout seul et trouver seulement cette petite numéro 10
quand vous serez capable de marquer des buts tout seul. Ça ne sera pas à elle de vous faire des passes D, de vous délivrer des caviars. Parce que lorsqu'elle sera plus là, si vous avez mangé caviar pendant un certain temps, le retour au pâté Lidl, aux nouilles surgelées, etc., c'est dur. C'est pas simple. Alors soyez heureux, les gars. Yes. C'était la leçon philosophique du soir. Il y en aura d'autres ce soir. Je suis d'humeur joviale. Ouais, je suis bien là. Je suis heureux, je suis avec vous. Elle manquait. C'est vrai que sur Discord, on se parle pas trop comme ça. Vois ce que je veux dire? Pour le ghetto aussi. Allez, balayette, balance-moi cet abonnement-là. Resub, ma petite balayette laser. Merci beaucoup pour ton resub 9 mois. Ça correspond à voyage qu'entreprend une petite graine. Une petite graine qui finit par sortir du vagin d'une femme. Merci à toi pour tes 9 mois. Merci beaucoup de ton soutien. J'espère que tu vas bien également et salut. ADM qui nous demande première question dans l'oreillette là. J'ai besoin de tes conseils aguerris. Aguerris? Alors c'est Aguirre qui ça. Yes, c'est la blague de merde. Je suis champion de D2 Bulgare. Comment trouver des bons joueurs pour la suite quand tu es forfait? Bah écoute, c'est exactement ce que j'ai dû à traverser. Alors la Croatie a une plus grosse réputation que la Bulgarie. J'en profite pour. ADM, il me fait une passe D pour la transition sur ma partie. Elle est belle celle-ci. Là, il me voit partir dans le dos de la défense. Il te met un enroulé là, elle est bien bien au sol, bien fouettée. Merci à toi. Spravra phase. L'année dernière, nous étions en D2 cravate. D2 cravate, j'ai terminé champion dans les 2-3 dernières journées devant l'équipe B du Dynamo qui a été chiant. CSVT a gagné tous leurs league games et le Dynamo s'est bien rattrapé en late game. Et nous, on a maintenu, maintenu, maintenu. Ça a été assez sympa. On termine meilleure attaque et deuxième meilleure défense. La tactique, on va en discuter après. Donc, on est passé donc de champion de D2 à la Ligue 1. Hop, la D1 croate, pardon. Donc, la transition n'a pas été facile. Fantasticu! Merci Loukram pour le follow. Donc, on est passé à la D1 croate en sachant qu'en termes d'argent. Comment vous dire F la mierda? La mierda aquí también. La mierda aquí también et tout. Et comment te llamas el chorizo de la paella? Donc, pas foufou. Sachant que dans le tas là, ça c'est heureusement que je fais une vente à 1 million d'un petit jeune. Sinon, c'était complètement la merde. Et j'ai fait aussi de la merde sur leur gestion de 2-3 joueurs, mais ça c'est totalement ma faute et j'assume. Donc c'est la merde. Donc il a fallu recruter malin filou, un peu coquinou. Transfert historique des transfers. Donc on a vendu pour 1 million, vu qu'on n'aurait pas à Famalicão. Et quand tu perds un joueur comme ça, quand tu es en D2 croate, je peux dire que tu t'en mords les couilles. Mais bon, j'ai plutôt bien négocié parce qu'il était estimé à une petite valeur. J'arrive à récupérer cette somme-là. Et en faisant un tout petit mercato, sachant que Kieran Heinz, c'est un régène qui est sorti de mon centre de formation. Mon gars du centre de formation ne l'a pas fait re-signer, donc j'ai dû le refaire signer. Donc ça, c'est un gars que j'ai formé. Ibargen, c'est son agent qui m'a proposé. Et Aguirre, pareil, c'est un agent qui me l'a qui me l'a proposé. Et un mec avec 16 anticipations, 16 dribbles, 16 décisions, ça attire mon œil. Le reste n'est pas foufou. Et ce mec-là a tiré mon œil pour ça. Donc vraiment que du zéro, très petit salaire, donc bien. Et puis il y a eu cette vente, donc ça a remis un peu les finances d'aplomb avant de rechuter. J'en ai profité quand même pour essayer de gratter des petites opportunités, des petites promos chez Promocash. Et on se retrouve avec des joueurs plutôt sympas que je vous montrerai après. Mais le but, c'est après une promotion de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai en thune? Et qu'est-ce que je peux me faire comme thune? Établir d'abord les sous, on fait les sous et on voit comment on peut jongler. Parce que quand il y a promotion, il y a d'abord bilan. Bilan de la saison précédente, trié par note moyenne, voir qui est au top sur la saison 1. Et se dire, est-ce que c'est déjà les gars qui ont été bons, est-ce qu'ils ont le niveau pour la division au-dessus? Et après, tous ceux qui sont en dessous de 7, on dit, putain, en dessous de 7, en D2 bulgare, tu dis, putain, là, tu vas. En D1, ça fait du 6-30, 6-40.
Bon, pas foufou, donc il y a une première réflexion à faire, voir ce qu'on peut vendre, dégager les thunes, et après construire bah, suivant les besoins. Et là, pour attirer les joueurs, bah, il y a un peu de réputation, il y a un peu de fouiller. Attends, qui c'est que j'ai fouillé moi déjà? Ça va être mon défenseur central, ça va être lui, Tomás Gutiérrez, que je chope à Deportivo Estudiantil, en faisant un marché en Colombie, là, pendant que j'étais avec un pote, là, Roberto, pour mettre 2-3 trucs dans le pif. Bon. Et il me dit, viens voir, j'ai un petit truc à 35 000 balles. Et c'est pas une 308 GT Line. Bisous à mon casse-dé. J'ai un petit joueur là, 35 000 balles, Tomás Gutiérrez. Il va te dépanner. Bon. En ce temps, il me dépanne un petit peu, mais pas trop. Donc voilà, c'est plein de petites opportunités comme ça. C'est des rencontres également. Et il faut essayer de construire et de trouver l'équilibre. Et puis après. Voilà, c'est plein de petites choses. C'est vraiment pas simple. C'est même moi, je galère. Hein. Je galère souvent les promotions de D2 à D1 parce que faut avoir, faut déjà plus de pression sur le mercato. Essayer de mettre pas trop d'argent sur des mecs qui ont le niveau et qui peuvent potentiellement tirer ton équipe vers le haut, c'est des opportunités très très rares. Et tout en s'il y a des ventes, vendre, essayant de gratter le maximum de thunes. Parce que si tu perds un mec qui l'année dernière tu fais une saison à 7,30, il aurait pu te servir en D1, gratos. C'est pas simple de remplacer des joueurs quand on fait une promotion parce que la réputation a peu changé. On est dans une division supérieure et très souvent on joue les bas de tableau, ce qui intéresse moins de monde. Donc ce combiné-là de 3 est dur à gérer, je trouve. Mais c'est la réalité aussi des choses. Voilà. Retour sur le chat. Le lien du Discord, ça doit être bon. Merci Toto. Merci. Les finances, c'est pas ça. Salut à toi, Loukram. Non, non, Toto. Comme tu peux le voir, j'ai Boulat et Labrovitch m'ont fait un caca nerveux. J'ai pas pu les re-signer. Ils sont partis gratos. C'est mon, entre guillemets, mon erreur. Attends, je vais mettre dans l'ordre des postes. Enfin, mon erreur. Je suis pas un très bon vendeur. De base, moi, c'est pour ça que je parle souvent tactique sur mon stream, parce que je suis pas un très bon vendeur. Je suis pas un... Je gère mieux les finances de mon entreprise que les finances des transferts et tout. J'avais une période où je pense que j'aurais pu les refaire signer quand les finances sont remontées un peu après après le transfert. Je l'ai pas fait, je suis arrivé en décembre. Et comme je marchais bien en D2 à cette période-là, veut partir pour un plus grand club, veut partir pour un plus grand club et veut partir pour un plus grand club, etc., etc. Du coup, ils se sont pris la pression parce que j'ai eu quand même du Benfica et tout qui sont venus pour Boulat et tout. Donc voilà, ils voulaient une somme de ouf en salaire. J'avais pas les moyens. Et du coup, ils sont tous les deux partis gratos au mercato hivernal. Enfin, ils ont fini la saison avec nous, heureusement. Surtout Boulat. Et enfin, tu me diras, Labrovic fait une super saison aussi. Très bon jeune gardien, Labrovic. Mais Boulat, dans le milieu de terrain, faisait le taf. Et du coup, bah, perdre les deux gratuitement, je sais pas si c'est une bonne opportunité, mais du coup, quoi faire? Les vendre, faut les vendre en début de game, mais tu te passes de deux super mecs sur ta saison. Ou bien faire la saison avec eux, mais faut vendre pour pouvoir les refaire signer. Et que, enfin, ouais, c'était vraiment pas simple à gérer. Moi, j'ai choisi de les garder. J'ai pris le risque, on a bien joué, ils ont été convoités, ils perdent gratos les deux. Bah, j'aurais pu me faire un billet de 1 million très facile sur les deux en plus, donc 2 millions. Ça m'aurait fait du bien en finance, mais il y a une question de timing à pas rater et je l'ai raté quoi. Donc voilà. Salut à toi Sim. Merci, c'est gentil. Merci Jobo pour le resub, en tout cas toi aussi. 17e mois d'abonnement, c'est énorme. Merci beaucoup mec, comme d'habitude. Merci, merci. Et ouais. Ouais, Boulat, il y avait moyen de faire des thunes, hein, on est d'accord. Mais bon. C'est le jeu, on fait donc cette saison-là. Et là, sur ce début de saison. Sans changer de tactique en plus, on fait un bon début de saison. On prend des points chez des gens du bas de tableau, Istra Osijek, Lokomotiv Azaprezic. Là, on va enchaîner trois. Alors, j'allume le stream là-dessus, mais bon, c'est le jeu. Hein. Rijeka, Zagreb Split, trois défaites, info sûre. Ça va être super compliqué. Donc, ça peut être un stream full défaite, hein, parce que ça va te défoncer le moral. Mais bon, j'assume, hein, c'est le jeu. Donc voilà, mais voilà, on a pris des points, c'est déjà ça. Il y a Istra qu'on est à zéro. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus bas. Je suis content qu'on soit quatrième pour le moment. Et qu'on ait bien profité de ces matchs plus simples à faire dès le début. Mais là, la série va faire mal.
Et oui, il se réabonne. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, donc cette partie, voilà, c'est la partie où je me suis remis à FM. J'avais vraiment, vraiment pas retouché au jeu depuis pas mal de temps. Les transferts de cet hiver m'ont donné un petit peu envie. Et voilà quoi. Voilà. Ça m'a donné envie. Je me sens bien dans cette partie. À voir comment si ça voulait, si ça vous plaît aussi. Donc voilà. Cette partie me plaît bien. Puis là, j'ai acheté Wolsen. Salut en Sui. J'ai acheté Wolsen. Un hack and slash qui me plaît pas mal. Les hack and slash m'ont toujours pas trop mal plu. Donc je saigne un peu le jeu en ce moment. Mais là, ce soir, j'avais envie d'allumer FM et de stream avec vous. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve ce soir, messieurs. Voilà. Merci, Sim. Off. Ouais, c'est intéressant à suivre parce qu'il y a un petit côté challenge qui est intéressant. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de la tactique. Eh oui, le petit challenge de faire vivre ces petits joueurs. Puis la Croatie est un super pays à jouer sur FM. C'est trop bien. C'est trop trop bien joué. Alors, je vais vous montrer quelques joueurs quand même. C'est le but de FM. Salut Lico, merci. Merci Lico, c'est gentil. Ouais, je mettrai le replay sur YouTube. Si j'oublie, parce que j'ai un cerveau de poisson rouge, Lico, n'hésite pas à check sur Twitch. Je sais pas combien de temps je vais stream ce soir, j'ai allumé il y a pas longtemps, mais t'hésiteras pas à check au cas où j'oublie. Mais de toute façon, d'ici 15 jours, j'aurais pensé à le réup sur YouTube. Ouais, il y en a plein des pays comme ça. Danemark, Bulgarie, Norvège, Croatie, Slovaquie. Toujours sympa. Alors la tactique. Évidemment que je suis toujours la scène FM, je suis toujours ce qui se fait sur FM. Je suis toujours un peu tout ce qui se passe sur FM globalement. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. On va pas se mentir, je vois beaucoup de 4-4-2 à plat, 4-4-2 diamant, 4-4-2 dans ta mère, 4-4-2 dans ta sœur. Vraiment tous les styles de 4-4-2 ont l'air de bien fonctionner. J'ai vu aussi que les 4-2-3 donc marchaient bien. Moi je me suis dit tiens. Au souvenir du 4-2-3 de Favre de l'année dernière qui avait plutôt bien marché chez vous. Je me suis dit, tiens, je vais faire un petit 4-2-3-1, ça correspondait bien à ce que j'avais. Ça me permettait de mettre en avant un joueur que j'ai pu, mais qui était l'année dernière, un numéro 10, qui s'appelait Kuric. Stéphane Kuric, yes, la blague elle est faite. Qui a fait une super saison. Et j'avais envie de jouer avec un numéro 10, donc du coup voilà. Je me suis parti de là. Après, je voulais tester le rôle d'ailier intérieur, que j'avais pas testé, il me semble encore. Et j'avais un super ailier intérieur, pareil, qui n'est plus là. Je crois que je l'ai plus. Prince, c'est mon buteur. Laissez-moi pas dire de bêtises. Vu qu'au revenant, il est où Kurich? J'ai encore Kurich? Ouais, oui, pardon. Je croyais que j'avais vendu Mario Kurich. Qui a fait une bonne saison en 10 l'année dernière. Bah, je suis con, il était en MJR sur la tactique. Putain, je suis fatigué. Et je faisais jouer qui à gauche? Non. Non plus. Kukeč? Celic. Celic à droite et Malès à gauche, c'était. Pardon, j'ai confondu. Lui, c'était une sorte d'attaquant. Et je faisais jouer Celic à droite. Il était droitier et je voulais qu'il s'entoure. Ouais, c'est ça. Je vais jouer en ailier intérieur. Celic, parce qu'il avait des notes intéressantes, comme vous pouvez le voir, accélération, inspi, technique et tout. Je faisais jouer Malès à gauche, qui était beaucoup moins fort.
Juric et Kukeč et un Emrek. Là, j'ai plus de Emrek pur. Pour ça que ça tient moins au milieu de terrain. C'est ça. C'est bon, je me remets un peu d'aplomb. Et je trouve que ça marche pas mal les ailiers intérieurs parce qu'ils font moins. Comment dire? Vous savez, c'est le truc chiant dans FM quand votre ailier mentalité soutien est face à un latéral et qu'il le dribble. Enfin, par exemple, vous créez le décalage à gauche, tac 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 tac, vous changez d'aile, votre ailier est seul. Il n'y a personne à 5 km. Vous voyez bien cette action? Vous voyez bien où ça se termine? Il contrôle le ballon. En tant qu'ailier, il repique dans l'axe. Donc une touche de balle inutile. Il repart sur le côté, deux touches de balle inutiles. Il lève la tête. Il appelle sa sœur. Ouais, tu vas bien et tout. Bref. Il perd un peu de temps. Le latéral qui revient à pied en mode. Tranquille, gros, quoi, tu vois. Il revient, tac. Et là, il se dit, tiens, je vais peut-être centrer. Centre, corner. Cette action qu'on a vue un milliard de fois et que je déteste. Et ben en fait, l'ailier intérieur, il fait direct prise de balle. Il rentre un peu à l'intérieur, mais il centre beaucoup plus rapidement. Il fait moins. Je rentre dans l'intérieur, mais en fait, putain, merde, c'est vrai que je suis ailier soutien. Il me l'a dit, le coach, depuis 3 ans qu'il a la tactique et que je suis au club. J'ai toujours pas compris. Et ben, l'ailier intérieur le fait moins. Et je trouve que c'est plus efficace pour mettre un ballon dans la surface. Et j'ai trouvé ça intéressant. Comparé à l'ailier pur, alors je dis pas que l'ailier pur marche pas, hein. Si vous avez un mec un peu plus intelligent, peut-être que ça fonctionne mieux. Mais là, avec les ailiers intérieurs, je trouvais ça vraiment intéressant. Ça a plutôt bien marché pour moi, parce qu'on termine deuxième meilleure attaque. Non, meilleure attaque et deuxième meilleure défense. Donc c'était cool. C'était cool, ça. Le milieu de terrain est bien équilibré, ça défend bien en phase défensive. Le MJR soutien reste souvent dans cette zone, mais ça n'hésite pas à monter un petit peu. Comparé au MJR Def qui est beaucoup plus statique avec le rester en place. Et le MREC Def, ben. Normalement, c'est pas un rôle que j'affectionne. J'en discutais tout à l'heure d'ailleurs avec mon casse-dé. Et on parlait de l'équilibre de soit MJR Def, MREC soutien ou MREC Def, MJR soutien. C'est deux rôles qui s'associent bien quand on veut avoir deux MC, soit devant la défense, soit ici au milieu de terrain. Et salut, sera Gimmi, ça va bien et toi? Et voilà, moi là pour l'année dernière, j'avais mis Emrek Def parce que j'avais un mec pas trop agressif, bon tacleur. Cette année, j'ai pas. D'ailleurs, il faudrait que je switch de rôle parce que c'est un peu dangereux. Étant donné que j'ai deux mauvais tacleurs, j'ai deux vrais MJR au milieu de terrain. Mais j'ai pas envie de jouer avec double MJR. Donc, à voir si je joue avec un milieu axial def. Il faut que je fasse très attention au milieu de terrain. Parce que Emrek Def, le gros défaut, ça va être se tacler plus durement. Et tacler plus durement quand vous avez des mecs avec 7 en tacle, c'est prendre des risques inconsidérés, quoi. C'est un peu stupide de ma part. Il faudrait que je mette ça à jour. Et c'est tellement bien équilibré, je trouve, dans un 4-2-3-1 ou la base d'un 4-2-4 def. Donc à voir, faut que je change un rôle ici. Donc on a fait pour l'attaque, je switch entre Aguirre. Alors Apem est blessé, Ampem, qui est mon attaquant avancé, qui est au club depuis longtemps, qui fait une très bonne saison l'année dernière. Voilà, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on passe de D2 à D1. Là voilà, il fait une saison à presque 7 en D2. On arrive en D1, ça va commencer à bégayer, mais j'ai pas eu d'opportunités trop. Pas trop d'opportunités, pardon. La seule recrue, ça a été Nixon et Gratos. Donc à voir si Nixon. Là, je l'ai testé en ailier intérieur. Parce que Aguirre, je voulais le tester en D1. Je vais faire 2-3 matchs. De toute façon, là, faut pas trop se baser sur les matchs qui arrivent parce que ça va être tellement violent ce que je vais prendre. Donc je teste un petit peu des trucs, j'en profite. Et voir ce qui peut nous aider à surtout à tenir cette saison et aller chercher se maintenir. Augmenter la répute, maintenir les finances, ça va être les premiers objectifs concrètement avec le club. Voilà, j'ai énormément parlé. Voilà, j'ai énormément parlé, mais c'était la moindre des choses. Comme d'habitude ici, on parle plus tactique plutôt que spam continu en retard dans le chat pendant les matchs. Vous avez bien compris. Donc voilà. Voilà, pour ce 4-2-3-1, les deux love soutien sont pas trop bordéliques, c'est pas trop exigeant comparé à un DLAT ou un DL soutien, ça fait le taf. J'ai des bons latéraux en l'occurrence, je trouve. Alors Youssouf Moussa est pas mal, c'est qui est-ce que j'ai? C'est Mario Moussa aussi, que j'ai recruté gratuitement, qui est plutôt complet, un croate.
En défense centrale, donc j'ai eu en la recrue donc de Gutiérrez, là, le mec qui coule le prix de, il coûte le prix d'une 308 GT. Un défenseur gaucher, j'ai oublié le switch d'ailleurs, avec Souma, qui a été une autre recrue, Noël Souma, un défenseur sénégalais très très physique. Je fais le switch maintenant parce que sinon j'ai oublié pour la prochaine fois. Sinon en DC, j'avais Bilic l'année dernière qui remplaçait un petit peu. Mais je faisais jouer Bilic parce qu'il a le pied gauche. Et Pajic à droite. C'est pas extraordinaire, hein, c'est pas super excitant. Mais bon. Quand on n'a pas trop d'argent et qu'on vient d'être promu, il faut faire un peu ce que l'on peut. Donc voilà pour la petite présentation. On va s'occuper de ce rôle-là. Salut Dati. Oussem Avoir. Je me suis fait Oussem Avoir, bien évidemment. Tac. Il va falloir que je la mute parce qu'elle va me spam vu qu'elle est un petit peu bourrée. Yes. Tac. Hop, voilà. Donc voilà les gars, j'espère que tu joues toujours un petit peu FM. Je regarde un petit peu des fois de temps en temps ceux qui lancent leur partie, ceux qui jouent en Belgique, en je sais pas où, Svetlogorsk, ceux qui sont à Stuttgart, ceux qui sont à Lyon, ceux qui jouent à FM20 et je vois pas le nom de l'équipe. J'espère que le jeu vous plaît toujours autant. Il y a eu la mage hivernale aussi, j'ai vu ça qui est sorti. Moi, cette partie a été relancée pendant le mercato d'hiver et j'ai mis une update sortie tout de suite, donc ça doit être milieu janvier ou troisième semaine de janvier. Voilà. Salut Mulrox. Match très compliqué, je ne me suis pas occupé du rôle de Kuric. Peut-être parce que je suis un connard, ça, peut-être. On en parle au 32-16. Alors, ce que je peux faire, c'est le. Alors, passer en MJ Hardef, mais putain, lequel? Ouais, sauf Zic, 7 décisions. Les deux ont 7 en décision. Putain, vous me cassez les couilles. On va mettre lui, hein. Mezzala, mais ça fait pas le taf def. MJA soutien, ça. Il va peut-être marcher un peu au MO. T'as le volume pour jouer box to box? Très 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 compliqué. Une touche offensive, un but pour IGK. Bah, vu qu'il est au duel, ça doit être un pivot. 1m88, 14 en saut, ouais. On va être. On n'est pas très bon de la tête de manière générale. Donc il n'y a pas de problème sur cette touche. Faute de Komorski. Stuttgart, oui Loïc, c'est toi que j'ai dans mes amis qui jouent avec Stuttgart. C'est stylé, Stuttgart. Il y a moyen de moyenner. Dommage, Ahmed. Le fait que tu joues en Dodi est parce que je te vois mieux les problèmes tactiques ou c'est juste par préférence? Les deux, Mulvrox, il y a une préférence de manière générale. Et après, tactiquement, j'aime bien la vision que me donne cette caméra. Ouais. Ah ouais, là faut que tu choisisses du coup Loïc. Soit Gallardo, soit Marco Rosa. Mais les 4-4-2 sont assez populaires hein, de ce que je vois.
de ce que je vois sur Twitter, de ce que je vois également sur le workshop. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes jouent comme ça, donc je vais switch ça. Ouais, Aguirre, en fait, quand j'ai vu leur ligne de défense, je me suis dit, bon là, ils vont clairement m'étouffer. Le fait qu'ils marquent sur 2 CPA, bon. Bon, classique. Mais je suis pas très bon dessus, donc j'assume. Mais on va essayer d'abuser un petit peu, voir si on peut trouver un petit espace à un moment derrière ça. Avec un mec plus rapide en attaque. Ouais, 18 en saut, 1m98, il te marque de la tête, bon. Bon, effectivement, bah, il a le droit. De toute façon, la RIJK, Dynamo et Split, ça va être très très dur. Très très trop dur. Beaucoup trop dur. J'ai pas les joueurs. Ouais, ça marche bien le 4K2. Ça marche très très bien. Oh, tu... Ça par contre. L'ailier intérieur était bien placé, il avait bien aspiré son adversaire direct. Le problème c'est que mon latéral est rentré intérieur et du coup il a tiré dans l'ailier intérieur, ce qui était complètement con. Joli, très joli but de Malès. Alors, en 3D, il doit être pas mal ce but. Il est côté, Pagic qui va centrer, c'est repoussé. Dans Spanja, et là c'est repoussé, bim. Allez belle. Belle demi-volée, pleine au lulu. De Oh putain, Sim, t'as sorti le. Oh, tape la barre! Le 4-3-2-1 de Carlo? Non. Mais tu l'as fait à ta sauce. T'as fait un 4-3-2-1 à ta sauce ou t'as pris un peu du blog? Après, t'as regardé Sochaux et t'as changé 2-3 rôles et 2-3 consignes? Ou t'as tout. Ou t'as juste tout pompé sur le blog et tout t'as pris et pif paf pouf. Si à marge de l'époque. Vraiment pas fait exprès alors. Oh putain, mais ils sont tous à. Ah ouais, encore un mec avec 13 en tête. Ils sont injouables de la tête, Rijeka. Je me fais défoncer. Avec mon équipe composée de passe-partout, passe-temps et Mimimati. Super Sovcic. Sovcic qui il fait un peu comme le français cet après-midi face au Pays de Galles. Il fait une interception et il va au bout. Biche biche. Et bam. Elle est belle sa frappe. Bien puissante. Et le gardien a eu les mains en mousse. J'allais dire 4 buts sur coup de pied arrêté dans le même match. Ça fait beaucoup là, non? On a un très mauvais match de Pagic à droite. Mickaël. Vous l'avez la ref? Mickaël Pagic. Dédicace à tous mes Marseillais sûrs, hein, bien sûr. Super joueur Mickaël Pagic. Voilà tout ce qu'il fait. Allez, Kuric. Un bon. Oh! Putain, il a pas frappé en angle fermé. Ce jeu évolue, hein. Oui. Oh, non, que. J'ai enlevé Emre Gdef exprès pour pas qu'il fasse faute. Je l'ai mis box to box. Parce que je voulais pas qu'il fasse faute. Pour pas qu'il ait taclé plus durement. Pourquoi vous me faites ça? Chier, putain, on fait des efforts et tout, et voilà comment on a récompensé. Bon. Attends, tu vas me dire que j'écris un texto et on marque, hein? Alors là, oui, bon, oui. Ça a été refusé, ouais, je me disais c'était bizarre qu'on marque. Je me disais, FM, normalement, il fait pas des cadeaux comme ça.
Bah dommage. Dommage, on fait un match moyen à la finition. J'ai essayé de m'adapter un peu tactiquement par rapport à leur ligne de défense haute, si on avait trouvé un vieux ballon sur un dégagement. Ça n'a pas été le cas. On prend deux cartons rouges. On a fait 22 fautes, on était assez agressif. C'est dur là, putain. Je vais garder un ton calme, on est quand même face à RGK. Je savais que je perdais ce match dans tous les cas. Donc ça en vrai. Tac, dommage, le but de Balès et de Sefcic était assez stylé. Merci Clam Gaming pour le follow. Alors, plus de passes directes qui marchent bien. Ouais. Mélange de ton blog et pas mal d'adaptations quand même parce que Maurice Bollet à la place de Kaka. C'est pas faux. Ah, c'est cool. Putain, ça joue en sapin à Sochaux. Ouais, le problème. Bah, c'est cool. Maurice Belette. Alors. Yes, on a eu 5 euros pour la vente d'un joueur. Yes, ouais, c'est bien ça. Ça va aider à combler les 225 000 d'endettement. C'est important. C'est très important. Alors, première claque dans la tronche. Ah, ça, il me casse tous les couilles avec ça. Gros, t'as rien qui dépasse 11 en technique, s'il te plaît. Putain, mais. Ouais, il a pas tort aussi, mais. Gros, j'ai pas de sous. Ouais, vous me cassez les couilles. Putain, il a marqué un but, quoi. Il a fait 4 matchs, on a fait 5 matchs dans la saison, il veut un nouveau contrat. Oh. Fatigue. Ah ouais, 5 euros mon gars. On les prend. Oh, putain, pourquoi je suis fatigué? J'ai dormi comme un porc cette nuit. C'était hier que j'étais crevé. Enfin, on va y aller. De toute façon, je regarde pas forcément le mercato. C'est le classement qui m'intéresse surtout. On laisse un peu de physique toujours jusqu'à septembre, à peu près mi-septembre, fin septembre. On lâche le physique et on remet du physique pendant la période d'hiver où il n'y a pas de normalement pas de match. Je vérifie si c'était comme ça en D2. Ah si. En D2 j'ai une plus gros, j'ai une grosse trêve. Décembre, janvier, je crois. Décembre, janvier, février, je sais plus. Là je trouve que c'est plus équilibré. Moi, tu me parles pas d'âge, hein. Yes. D'accord. Arsenal, premier de BPL, bien sûr. Mais c'est ça qu'on veut. C'est sûr que Daniele Rugani en défenseur central, c'est quand même mieux que Mustafi, quoi. C'est vrai que ça solidifie un peu, quoi. Et c'est l'antidé. Et c'est l'ant. Allez-y. Dynamo chez eux. Ouh, ça va piquer. Ah là, Kylian, oui. Ce sera bien aimable de jouer au football, le petit Kylian. Il sera bien aimable.
Mbappé. Quoique je pourrais peut-être scout vite fait. Si je peux avoir en prêt un petit MDC ou un petit tacleur là. Borovic, Bournabour, ben voilà. Bon, c'est pas incroyable. J'ai déjà observé lui. On va voir. Voilà, ça va être très très dur encore une fois. Ah ouais, bon, ils profitent, va, ils profitent, ils ont bien raison. Mais pourtant, je lâche des thunes là. Impatient d'avoir ces matchs retour de LDC là. Impatient. Le match aller était. Moi qui pensais que la soirée PSG Dortmund Atlético Liverpool allait être pas mal quand même. Putain, les matchs étaient nuls. Leipzig était un peu plus excitant. Et l'Atalanta était bien évidemment, comme d'habitude, très excitant. Alors, tac, allez. Oh, tous ces absents en plus. Ça va piquer les fifesses de Toto. Piquer les fifesses. Les fifesses. Oh, je suis plus petite fifesse. Et jouer avec Antunovic, mon bœuf là. Non, je sais ce que je vais faire. Antunovic, ça pue le pivot excentré, ça. Tu pues le pivot excentré, mon grand. Puissance Toder, c'est toi qui pue le pivot excentré. Prince APM. Let's go. On tente des trucs. De toute façon, c'est les matchs comme ça où, à part exploit, même si le match d'avant, c'est que des buts sur CPA. Il faut quand même des. Moi, de mon côté, un but sur CPA, un but hors jeu, un accord sympa avec l'arbitre, une petite douille pour battre ce genre d'équipe quand même. Catapulte tes grands morts là, va ici. Voilà. Boum! Belle frappe sous la barre de Gutiérrez. Gutiérrez reste un défenseur de Colombia. Yes, ça m'envoie les vidéos. Ah, je déteste les gens qui font ça. Putain, m'envoie pas des vidéos de ton concert. Putain, la qualité est nulle. Il répète sur YouTube est 20 fois mieux. Putain. Yes, un petit peu violent ce soir. Un bon arrière-droit pour le PSG. Achraf Hakimi.
Serge Aurier. PSG. Donc budget illimité, ça c'est bien. Bon, par contre, deux têtes dans notre propre surface qui retombent dans leurs pieds. Tête là, pile poil sur lui qui est tout seul. Retête là qui revient pile poil dans lui qui est tout seul. Si on pouvait s'appliquer. C'est quand même Zagreb chez eux, ils n'ont pas besoin de cadeaux comme ça. Alors, eux, c'est un bloc beaucoup plus bas. Il va falloir un peu désosser là. Un peu différent, il joue pas avec un pivot devant. Voilà, on s'adapte un petit peu légèrement comme ça. Et toujours le petit soyez créatif hein, qui remonte d'un mesuré nerveux hein, inspiré par les commentaires, le classique. Parce qu'en fait, IRL comme ça marche pas du tout. Alors, encore une occasion sur coup de pied arrêté pour nos adversaires. Coup de pied arrêté, tiens, pour nos adversaires qui provoquent une occasion. Alors, ça, c'est marrant. Ça, c'est vraiment marrant parce que je l'ai pas du tout dit 7 fois depuis les deux matchs en stream. C'est vrai que 15 fois au temps limitant, c'est vrai que l'engager ou plus, ça peut être une bonne idée de l'enlever. En face, ça joue avec un demi-centre et un Emrek Def en MC. Donc autant dire que bah, René Girard a effectivement donné quelques conseils, quoi. Ils sont à domicile face à une équipe qui vient d'être promue. Ça joue avec un demi-centre, un box-to-box et un Emrek Def. Autant dire que mon numéro 10 va clairement se tripoter la nouille. Encore un but de la tête. C'est rien. C'est que le cinquième en deux matchs, à vrai dire. J'ai pris une reprise de volée tout à l'heure. De Petkovic. Un pivot excentré. Un pivot. Bon, qui font jouer comme un attaquant pivot excentré. En vrai, en pivot excentré, putain, j'ai envie de créer une partie de jouer qu'avec lui là. Super strat, hein. Il n'y a rien à dire. Pivot excentré face à mes ailiers qui sont pas déjà. Enfin, mon équipe est pas super fort de la tête. Et encore moins les latéraux, bien évidemment. C'est. Ça, c'est imparable, j'admets. Orsic, Chanteau deuxième poteau, Petkovic, ouais non par contre. Bon bah je remets en ligne. Bon, comme, vous cherchez vraiment pas le long ballon dans le dos de la défense alors. On va jouer le hors-jeu et on va jouer très 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 haut alors si c'est buggé comme ça. Tac. Parce que si c'est que des centres. Si je joue en ligne de défense haute, normalement, je vais être moins emmerdé. Et on joue un peu plus large également. De là à ce que ça me crée des occasions, peut-être pas non plus autant, mais bon, ça serait bien. Déjà, tactiquement, on a une réaction. Après, à voir si le jeu. Bon, si... Encore, sauf si je fais le même. Oh, il fait le même. La même réaction que face à Rijeka, mais là, il trouve pas le cadre. Manière avec tous les suspendus et tout ça va être trop compliqué, c'est trop compliqué ce match. C'est trop compliqué. Ah, dis donc. Eh ben, ça en fait des. Moi j'ai eu 7 corners, hein. J'attends toujours mes replays sur CPA parce que eux, on a vu au moins 7 coups francs et 4 corners. On est vraiment trop nul de la tête. Ah bah si, j'ai des coups de main arrêtés, ça va.
Petkovic fait des demi-volées de transversales dans sa surface. Gros match de leur Petkovic. Je sais pas pourquoi je les ai engueulés, j'étais un peu con là-dessus. Rien pu faire. Le pivot excentré me met la misère. Bon, lui, ils veulent pas le prêter, un gars qui joue en équipe B. Dommage. Pour toi, le passer dans les espaces veut dire quoi? Bah, faut avoir des rôles. Comme les ailiers, comme les attaquants avancés. Des rôles qui aiment prendre les espaces. Et passer dans les espaces, ça veut dire à tes milieux. Voyez là les rôles des gars devant vous? Et bah, passez-leur dans les espaces parce qu'ils prennent les espaces. Un peu ce que ça veut dire, le passer dans les espaces. Peu Sabali, ouais. Sabali! Un gros latéral droit. Peut-être pas un français du coup. T'as bien un portugais ou un brésilien ou un espagnol qui doit être bon latéral droit, non? Léo Dubois. Odriozola est trop bien. J'ai adoré. Très très fort. It is very true. Ouais, c'est vrai, Mukiele. Mukiele. Il doit faire le taf. Dubois. Pardon. Yann Valéry. C'est juste. Yann Godard, tu peux juste. Bafodé, t'as quitté. Un peu emmerdant quand même, hein, en France. Un peu emmerdé avec les latéraux. Alors, 3-0 Toulouse, Dijon, Monaco 1 partout, Strasbourg, Amiens 0-0. Putain, ceux qui se sont pas endormis devant Strasbourg, Amiens, vous avez mon respect éternel. Oh, mon Dieu, que ça devait être nul. Angers, Montpellier 1-0. Bordel. Bon, en même temps, quand j'ai vu ce qu'il y avait au programme, je vous ai dit, je me suis dit, vas-y là. En fait, c'était simple. Concrètement, soit je streamais pas. Enfin, je streamais après. Enfin, je me disais, tiens, j'ai envie de stream ce soir. Je regarde la journée de Ligue 1 et après je stream. Et voilà. Quand j'ai vu le programme, je me suis dit, si je regarde le multi-Ligue 1, info sûre, je serai fatigué vraiment beaucoup après. Ça, c'était l'info sûre.
J'ai bien fait de pas regarder. Oh là là, sinon, là, je serais pas. Il faut faire des sacrifices des fois comme ça. Fier de moi. Allez, il ne reste plus que Splélite à affronter. Ça va être chaud les marrons chauds. Allez, dernier match de la grosse série compliquée. Compliqué. Muito complicado. Fudes do caralho. Fudes do caralho. Youssouf est de retour. Mario dit Stéphane Curic est de retour. Que je remets quand même. Ouais, non, putain, mais Thomas respecte là. Antunovic et on joue avec le. Non, c'est pas Antunovic, c'est Spanja. Non, c'était avec Antunovic alors. Ou bien je fais galoper Basic. Allez, Basic. Ah non, pas Jitsch et pas chaud les marrons. Antunovic. J'enlève Malès de la touche. Malès TV. Hop. Let's go. On va voir ce qu'on va affronter maintenant. La première fournée de Regen, bah j'ai que l'Écossais là que j'ai fait re-signer en début de game, qui était vraiment pas mal et qui en fait s'est barré parce que mon responsable formation jeune ne l'a pas re-signé. Moi je trouvais ça stylé de former un Écossais en Croatie, donc j'ai re-signé. C'était le meilleur, c'était un 4 étoiles de potentiel d'après le jeu. Donc. Bah ouais, Sim, voilà, Strasbourg Amiens, en l'occurrence pour toi. C'est bien ça. Ouais. Chaud les marrons, hein. Zéro pour Split. Dégagement du gardien, on rate un duel. Bon, le pressement de mon gardien. Pevoir et Duoc. Bon, il joue sur du jeu direct avec un mec qui a 14 ans d'accélération, donc autant vous dire que là. Voilà. Un tir. Un cadré, un but, comme tous les week-ends en Croatie. Allez. Donc attention aux relances du gardien. Ah, oh, c'est pivot en plus à côté, putain. Troyanski attaquant en retrait, 9 en saut, 1m75. Bien joué Gutiérrez. Encore très bien le dédoublé. Encore.
Les dédoublements peuvent faire potentiellement mal. Faut qu'on les maintienne. La défense est très basse, ce qui n'est pas trop illogique dans un 3-5-2. On joue plus large, on joue sur les dédoublements. Peut-être un style de passe un peu plus équilibré que juste du court. Parce que sinon on va mettre trop de temps à aller chercher cette largeur et juste le danger. Ce que je veux aller chercher, c'est les 1 contre 1 sur les ailes ou les 2 contre 1 si mon latéral suit bien l'action. Et si on fait qu'en passe courte, leur milieu d'EF devant la défense aura le temps de switch et de les aider. Dommage. Il s'est construit cette contre-attaque tout seul, Antunovic. Il croque un petit peu. C'est nous qui avons les coups de pied arrêtés sur cette première mi-temps. On a repris le jeu un peu en main après les changements tactiques. Ça, c'est cool que le jeu réponde bien. Depuis la petite mise à jour qu'ils ont fait, là, le petit patch sur le match engine et tout, c'est le truc que j'ai. Je trouvais que ça répondait bien. J'étais content de voir ça. Mais là, après, là, j'en veux pas tellement. Entre guillemets, j'en veux pas au jeu si ça répond pas parce que bah, je suis Sibenik et je joue la Juke, le Dynamo Zagreb et Rijeka. Donc, bon, c'est-à-dire que bon, c'est dur d'aller chercher des résultats face à ces équipes-là quand on a les joueurs qu'on a. Ouais. La largeur, surtout sur le jeu direct, les gars, pas la profondeur ou dans l'axe. On égalise contre son camp, mais on a super bien construit cette action. Ça partait pas très bien parce que mes DC cherchaient Nixon dans les airs. Là, ce dédoublement, il est génial. Voilà, voilà, voilà la force d'une tactique face à un 3-5-2. D'une tactique à latéraux plus ailier. C'est les dédoublements. Le but, c'est de créer le 2 contre 1 sur les ailes sans que personne vienne soutenir le latéral qui est face à deux mecs et il peut rien faire. Et là, vous pouvez vous appeler Ferland Mendy ou je sais pas qui. S'il y a deux mecs sur votre côté, au bout d'un moment, il va falloir prendre le ballon 1, quoi. Le but, c'est que ça fasse un taureau et qu'il court. Il court derrière le ballon et qu'il n'ait pas de solution. Très bonne réaction des joueurs. On a fait une bonne première mi-temps. Très bonne première mi-temps, franchement. Je les félicite. Faut juste continuer après avoir les changements que va faire l'entraîneur de la Juke. Beaucoup franc de Ahmed. Je vérifie bien qu'on était en centre à rater. On obtient un corner encore une fois, mais on n'est pas très bon de la tête. Mais ça, je le sais. Bon coup franc de Ahmed. Cette fois, il termine en pleine lucarne. Ahmed Izaya, notre numéro 10. Il est très très bien tiré. Il est magnifique. Hein. Absolument magnifique ce coup franc. Et on repasse devant. Les joueurs de Split qui font un peu plus de fautes que nous, un peu moins punis au niveau des cartons. Pas trop de changements. Il cherche une solution avec ses milieux centraux, l'entraîneur de Split. Et la seule solution tactique qu'il a trouvée, c'est que son gardien balance une grosse tige devant sur l'attaquant avancé qui tricote et qu'on provoque un penalty. C'est tout ce qu'il a trouvé comme solution. C'est incroyable tactiquement. Là, il faut vraiment s'appeler Bruno Genesio pour faire des changements tactiques comme ça. J'ai rien pu faire. Égalisation sur penalty pour Split. Allez. C'est pas grave. Allez, Kuric pour Nixon, c'est compliqué. Le ballon direct, je veux plutôt sur les ailes. Super Kuric, ça tu le fais bien. Magnifique parade de Pozavec. Gutiérrez avait réussi à prendre le ballon de la tête, ça suffit pas. Il joue avec double box to box, un MD soutien. Ça commence un petit peu à se débrider leur milieu de terrain. Je vais demander à ce qu'on passe vraiment sur les ailes.
qui fait le meilleur taf, 6-4 ou 6-2. Dédoublé sur le côté droit. Je veux qu'on insiste un peu sur ce côté-là. De Winter vient de rentrer en jeu. Ça devrait le faire. J'ai failli prendre un but de gag. Dommage. Est-ce que ça se termine là-dessus? Enfin, dommage. Je pensais prendre 3 minas dans la gueule. Je reviens avec un point sur ces 3 matchs impossibles, entre guillemets. C'est pas si mal. Nous aussi, on a pu provoquer des CPA. On s'en sort avec. On s'en sort avec ce super coup franc de d'Isaiah qui nous permet d'aller chercher le match nul. Mais on a super bien réagi en première mi-temps. On marque sur coup franc, il marque sur penalty. En vrai, ce match, c'est plus un 1 partout qu'un 2-2. Mais ouais. Le petit 12 en coup franc, 12 en technique, 12 en tir de loin, je l'ai senti. Voilà, bah ça c'est logique. En même temps, en gros, Rijeka, Zagreb Split. Putain, j'ai des petites bêtes là. Comme si je m'étais pas lavé depuis 3 semaines. Dis donc. Dommage. Je joue en mini résumé, ouais. Ouais, c'est le minimum. C'est le minimum syndical, mini résumé. Long résumé quand je commence mes tactiques. Et mini résumé quand je me sens bien en place. Ouais. Moment clé, c'est vraiment quand je roule sur le jeu. Et que je me sens heureux. Moment match complet, c'est quand je me sens vraiment pas en confiance. Allez, 15 jours de pause. Les 15 premiers jours de septembre, classique. J'ai pas, je viens de bugger, mais il a vraiment prolongé Kurzawa, Toto? Non, il a pas fait ça. Non, non, c'est que j'ai mal lu. J'ai mal lu. J'ai sûrement. Non, j'ai mal lu, on est d'accord. Personne ne fait ça. Même s'il est à 7, il fait une saison à 35 matchs, 7,50 de moyenne. On re-signe pas Kurzawa. Non. Tu l'aimes bien? T'as le droit de bien l'aimer. Disons que moi je l'ai bien aimé. Putain, c'est long le 1er septembre, vous faites quoi les gars? Je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé, Kurzawa, et voilà.
je l'ai bien aimé, mais là, en vrai, bon, là, on va forcément parler, si on parle de Kurzawa, on parle de son action face à Dortmund, mais en vrai, ce qu'il fait sur les premiers dribbles, c'était dinguissime. C'était dinguissime. Et on parle pas. Le reste de son match, je crois qu'il est pas mal d'ailleurs, si je me souviens bien. Mais s'il réussit la passe derrière pour le Neymar, c'est Neymar qui est, ou Di Maria qui est scellé en haut quand il fait sa passe du droit. S'il réussit cette passe, franchement, à la fin du match, on dit putain, Kurzawa, il a fait un super match. Le problème, c'est qu'il la rate, quoi. Il a eu une ou deux fois où le côté Kimpembe Kurzawa, c'était pas rassurant quand même. Enfin, bon, en même temps, face à Jadon Sancho, c'est dur d'être rassurant. Mais il fait pas un si mauvais match. Je pensais que Sancho allait vraiment lui foutre une misère exécrable. Exécrable. Pas le pire. Ouais, bah, il n'y a pas de souci. Non, ceux qui ont été dégueulasses, c'est Kimpembe. J'ai pas aimé Kimpembe. J'aime vraiment pas Thiago Silva dans ses matchs. J'aime pas. J'ai pas d'autres arguments. Verratti fait un super match. Il va beaucoup vous manquer au retour, Verratti. Hein. Quand même l'impression qu'il se prend un carton pour se dédouaner du match retour. Meunier, encore plus flagrant. Il est international belge. Il joue au PSG et il ose dire après le match, je savais pas que j'étais sous le coup d'une suspension. Non. Bah non, mais on a tous le cliché des joueurs de foot qui sont cons, ça y a pas de problème, c'est pour tout le monde pareil. Mais que tu dis ça en interview, c'est vraiment pour faire style t'es bête, pour qu'on dise juste il est bête et pas au match retour, il fait partie de ce PSG qui a rien branlé pendant des années, c'est évident. Tu l'as fait à tout le monde, mais pas aux joueurs qui réfléchissent 2 minutes quand même. C'est. Bon, ça plus va, ça que la plupart des supporters ou des gens qui suivent le foot vont pas plus loin que leur bout de leur nez, mais. Là, tu peux pas nous la faire à nous. Pas quand ton salaire il est de 250K par mois. Tu dis pas ça. Trouve une autre excuse. Dis que t'as pas les couilles du match retour. Moi, ça sera la vérité. Tu te dédouanes de ça. Et c'est bien. Salut, Gérosaure. Comment tu vas? Gay, mais Gay, tu peux pas lui en vouloir. Enfin, par rapport au match de Dortmund, Gay, le problème, c'est que. Donc, le milieu de Dortmund a mangé, évidemment, dans un 3-5-2. Le milieu du PSG. Le PSG manquait de créateurs ou de porteurs de pied ou de décaleurs Verratti. Et Gay était un petit peu trop défensif, j'ai trouvé. Paredes aurait vraiment fait plus le taf. Je crois qu'on a discuté. Peut-être un milieu à 3, le 3-5-2, je pense qu'il n'était pas forcément bien pensé. C'était mal goupillé quand même. J'ai pas trouvé ça bien, trop trop bien pensé. Évidemment que c'est la première fois de la saison qu'il joue comme ça, donc forcément ça fait penser à Laurent Blanc. C'est pas fut-fut, le résultat. En soi, après, faut pas non plus crier à l'alerte pour le PSG, c'est un bon résultat. Un 2-1 extérieur en match aller de Ligue des Champions, c'est un bon résultat. Effectivement, c'est qu'il a marqué 2-1. Le problème, c'est qu'il a marqué 2-1. J'ai mal derrière l'oreille. Voilà, il a marqué 2-1, c'est défaite, machin. Ça fait négatif, mais 2-1, c'est un bon résultat en allée de Ligue des Champions. Vous faites 2-1 à l'extérieur sur FM, en allée de 8e de Ligue des Champions, vous êtes content en vrai. Vous paniquez pas, vous dites, bah, j'ai gagné 1-0, puis on n'en parle plus. Bon, le problème, c'est qu'il y a Haaland contre Thiago Silva. C'est juste ça l'inquiétude du PSG et mon inquiétude pour le PSG, c'est qu'il y a Haaland qui va encore rejouer contre Thiago Silva, hein, parce que quand il joue comme ça, c'est vraiment Thiago Silva. Moi, c'est la seule inquiétude que j'ai. Mais sinon, ça va.
Globalement, je pense qu'au parc, ça va pas être la même. Donc, je m'inquiète moins. Mais par contre, pour que je m'inquiète moins, il va falloir que les joueurs qui gagnent 3 millions d'euros par mois ou 1 million d'euros par mois, là, il faut vraiment. Va falloir briller. Neymar va pas au carnaval, donc là, les gars. Peut-être qu'il a envie à un moment. Pas envie de voir sa sœur, pas envie d'aller au carnaval. Bon. Assez chaud, hein. Je reconnais plus, moi, Neymar, je reconnais plus. Exactement, les Rosa. Non. Mais je suis impatient de ces matchs retour. Vraiment très impatient. Très, très, très impatient. Moi, je suis du genre, étant donné que, bah, que je suis supporter d'une petite équipe qui est les Girondins de Bordeaux. Moi, je souhaite que le meilleur au PSG, qu'il fasse des perfs et que ça nous tire un petit peu vers le haut, quoi. Envie de voir s'il y a des couilles un petit peu là sur la table. Ça serait bien. Et parce que clairement, moi, le dernier match européen, enfin, le dernier match de Ligue des Champions qui m'a fait vibrer, c'était sûrement le PSG-Barça où il y a 4-0 à l'aller. C'était dingue. C'était juste dingue ce match. C'était doux, c'était fou. Ce serait bien de revivre des trucs comme ça. Après, Bordeaux, je sais que j'ai plus trop d'espoir, mais. Bien sûr, hors Bordeaux, hein, dans tous les cas. Nixon, j'arrive pas à le faire. Le contenu était pas foufou, mais ça c'était tactiquement que les joueurs étaient coincés, je pense, toi. Oui, le but de Thiago Silva contre Chelsea, c'est vrai. C'est vraiment, c'est. J'allais être dur en disant c'est le son seul fait d'arme dans les matchs importants à Thiago Silva. Mais. C'est presque pas faux ce que je dis. C'est presque pas faux. Je ne dis pas, bien évidemment, que c'est le seul responsable des échecs du PSG dans les gros matchs, bien évidemment. Mais le problème, c'est qu'il a le brassard de capitaine, donc c'est-à-dire qu'il a forcément un impact. Plutôt négatif, il fait partie des raisons, mais ce n'est pas la raison principale, c'est un ensemble de toute manière, les raisons des échecs, des gros matchs du PSG, principalement en Europe, parce qu'il n'y a pas vraiment de gros matchs pour le PSG en championnat, on va pas se mentir. Après voilà, ce match-là, même avec les meilleurs milieux de terrain du monde, t'es 3v2, enfin, t'as 3 milieux face à 2 milieux, que ce soit Dortmund, Real ou Saint-Ouen-l'Aumône, c'est compliqué. C'était un peu trop compliqué. Bien joué, Malais, 1-0. Partie qui me correspond et qui me fait plaisir, Gérosor. Une partie où j'avais envie de retrouver ces petits championnats que j'aime beaucoup et un du challenge bien évidemment parce qu'on part de deux croates avec Šibenik en saison 1.
Et voilà, un pays pas relou en termes de réglementation, où il y a des bons régènes, enfin plein de choses comme ça. C'est vraiment un championnat que j'adore, la Croatie. Il y avait évidemment pour les plus anciens la partie avec Rijeka, et j'avais adoré. Donc voilà. Après, tactiquement, j'expérimente pas beaucoup, je suis en 4-2-3-1. C'était soit un 4-2-3-1, soit un 4-4-2, étant donné que j'ai pas énormément joué à ce FM. Et que je m'y remets doucement pour voir si le moteur de jeu est agréable, qu'il y a de la cohérence, etc. Donc j'ai vu qu'il y avait eu la mise à jour, j'ai relancé une partie et je tâtonne quoi. Et franchement, même là, bon, là évidemment on fait 5 matchs sans victoire, mais bon, il y a Hajduk, Croatia. Là, on a joué la Djouk, Rijeka, le Dinamo Zagreb, enfin des matchs très compliqués. Aujourd'hui, je ne m'attends pas non plus à grand-grand-chose parce que c'est le Belupo, plus le fait de faire 5 matchs en victoire. On a un moral pas extraordinaire, donc j'essaye d'être un petit peu solide et d'aller chercher la victoire avec les moyens du bord. Là, on marque 2-0 sur pénalty, c'est très bien. Avec un petit 4-2-3-1 fait maison et qui m'a plutôt bien réussi, parce que bon, les 4-2-3-1 sont pas mal cette année. Donc voilà, c'est une petite partie détente et voilà, j'ai fait la saison vraiment de mon côté chill sans stream pour voir si je me cassais pas la gueule quoi. Et ça se passe plutôt bien, je trouve que les joueurs répondent bien, c'est assez stable. Mes résultats sont bien, ça me plaît. Ce que je vois, ça me plaît aussi dans les défaites. Je rigole toujours un petit peu des buts que je prends parce que je suis de mauvaise foi et peut-être un petit peu mauvais perdant. Donc. Mais au final, c'est totalement cohérent. Même les buts que je prends ce soir, enfin, il y a du CPA, il y a du pivot excentré qui m'a marqué ce soir. Donc, mais c'est logique, quoi. Les chiffres sont là et ouais, ça me parle en fait les buts que je prends. Donc c'est agréable. Je trouve qu'il y a eu un changement comparé à ce que le jeu a été. Putain, mais cette petite bête de. T'es grand mort là. Ce qu'il y a eu entre septembre, octobre, novembre et décembre. Pardon, le jeu est sorti en novembre. J'ai dit n'importe quoi. Entre novembre et décembre, où j'ai pas du tout accroché à ce qu'a été le jeu post-bêta. Donc là, pour l'instant, ça me plaît bien ce que je vois. Pardon, j'ai eu un petit rototo en même temps. Ça, c'est l'évian, ça. Putain, c'est que j'ai du bêler. Oh. Ouais, il me plante sur une petite contre-attaque. Non, très offensive, pardon. Putain, mais décidément, je suis dégueulasse ce soir. Ligne de défense haute. Voilà. Il a 1 mètre de retard et termine 1 mètre devant. Putain. Pas normal ça. Dommage. Oh non, par contre, les gars, pas de boulettes. Hein. Voilà. Ça va faire du bien cette victoire. On répond bien après cet enchaînement compliqué de matchs. On répond par une victoire face au Belupo, même si le Belupo est 10e et nous 4e. Mais c'est bien, c'est une bonne réponse, c'est cool. Super les gars. C'est très très bien parce qu'on a bien joué. C'est cool. Donc voilà. Mais moi je te dis, le truc, le plus beau match de Kimpembe que j'ai vu de ma vie, c'est clairement ce PSG Barça, Toto. Il était exceptionnel, vraiment. Et je pèse mes mots quand je dis que Kimpembe était exceptionnel sur ce PSG Barça. Vraiment, je me souviens parfaitement du match et j'ai même plus les mots. Ouais, sacré parti, Rijeka. Ricardo Pereira, c'est un bon choix aussi, Toto. Tant que tu claques pas 20 milliards pour Ricardo Pereira, même s'il est fort, ça va. Ça va être quoi? Ça va être un 25-30 millions, Ricardo? Il est baisé, putain.
J'étais en train de regarder un petit peu en même temps là, un article de Strikerless avec un 3-6-1, 3-6-1, 3-6-1 Strikerless qu'il a fait. Quel monstre. Avec les bonus, ça va. Toute façon, l'argent, ce n'est pas ton souci. Tenez, comme je suis un mec qui aime bien les tactiques et qui aime bien son chat, pour ceux qui veulent s'amuser avec un 3-6-1 sans en buteur, pardon, sans buteur, j'oublie qu'à chaque fois, mon casque. Plus les lunettes, ça me défonce autour des oreilles. Le contour là, putain. Étant donné que je n'ai pas beaucoup de cheveux pour protéger tout ça. Parce que je suis un putain de chauve. Oh putain. Je vais faire une pause des deux d'ailleurs. Il reste plus que 20 millions. Oui, putain, là je sens la ligne. Alors. Varazdin, c'est la championnat. Et après, on a un match de coupe. Il faudra que je pense à faire une petite rotation. Même si là, avec toutes les blessures et suspensions, ma rotation s'effectue naturellement. De la sélection naturelle. Ça fait du bien, là. Un peu de silence et un peu de calmeux. Deep Lying Playmaker. Meneur de jeu en retrait. Et là, tu vas sûrement me poser après, c'est quoi SS? Et c'est Shadow Striker. Le poste de numéro 10, là, SSAT, c'est Shadow Striker. Le Real est mené par Levante, putain. T'as eu que des résultats what the fuck aujourd'hui, hein. Putain. C'est évidemment la journée où je parie pas mal d'argent sur les paris sportifs, moi. Putain. Va falloir que je me rattrape avec le basket. Ouais. Même sur le Discord, je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui joue à FM quand même. Ça s'est calmé de ouf. Ça s'est calmé comparé aux années précédentes. Youssouf Moussa qui revient. Mario Moussa, Youssouf Moussa, vous ne voyez pas moi. Antunovic 6,37, Prince Apem, il a 6,62, c'est une cata. C'est une catastrophe aussi, putain. Faut que je change quelque chose dans mon animation offensive.
Nixon, 7 matchs, 0 but, c'est une catastrophe. J'arrive jamais à trouver dans les espaces. Mes défenseurs sont pas en défenseur relanceur. Il doit jouer un nombre de ballons de la tête qui est absolument irréaliste. Je peux pas insister de le faire jouer là. Pourtant, il est moyen partout. Il est caca en note. Il est pas moyen en note, il est caca. Il a combien de tirs? Il arrive à avoir, c'est parce qu'il fait 6 têtes décisives, mais sinon, n'importe quoi. Il a marqué quand même. Dans les matchs officiels, c'est une catastrophe. C'est pas normal qu'un attaquant avancé ait autant de gens. Passer dans les espaces, attaquant avancé, il a 15 ballons à jouer de la tête, c'est irréaliste. Étant donné qu'il doit prendre les espaces, c'est pas réaliste. Je préfère qu'il joue pas le duel, ça veut dire qu'il a tenté de faire un appel et qu'il a pris l'espace plutôt que ça. C'est pas réaliste. C'est vraiment pas réaliste. On va switch là-dessus. On va tenter de ça. Personnaliser attaque en pressing attaque. On switch encore. On fait des tests. J'ai besoin de faire un changement dans mon animation offensive. Quand on voit les buts que j'ai mis sur les derniers matchs, j'ai pas beaucoup dans la construction. J'ai pas des bons finisseurs, donc faut que je trouve une petite cohérence. Je vais peut-être devoir enlever un de mes attaquants. Un de mes ailiers intérieurs, même si ça a bien marché en tout début de saison contre les petites équipes. Là, je pense que j'ai peut-être un ou deux changements à faire dans la tactique pour maintenir une saison. Déjà, on va éviter de s'approcher de la relégation, surtout. Elle est engagée, vous, il faut que je l'enlève définitivement. Beaucoup trop de replays sur CPA se sont lancés ces derniers temps. Ils font jouer Benko avec 8 accélérations, donc on va rester très très haut sur le terrain, bien sûr. Étant donné qu'il joue avec un mec qui joue attaquant de retrait, qui a 8 accélérations, attaquant, alors on va surtout faire gaffe à ces 3-là. Il joue avec deux mecs absolument immobiles en MC, donc c'est le fameux combo MREC soutien MJRDF. Donc dans l'axe, on ne devrait pas avoir de projection, ça va être solide. Nous, ce qu'on va devoir faire, c'est jouer un peu plus large pour éviter de jouer sur ces peintres-là. Sur les ailes, ils ont dû dédoubler, ça c'est quasiment sûr vu de là et là. Par contre, ça m'a l'air assez bas. Défensivement, ça m'a pas l'air très très haut. Je sais pas, Antunovic, j'ai pas. Il y a une petite accélération quoi. Est-ce que le passé dans les espaces va être cohérent? On va voir. Ça part d'une touche, leur but. Ok. Le passer dans les espaces vient de faire le taf. Bon, on va le laisser. Il joue sur une ligne de défense haute du coup, comme on peut le voir en bas. Donc là, il y a de la place pour Ampem. Il y a de la place quand même, même s'il a qu'un petit 13 accélération 11 vitesse pour Antunovic. Ça me paraît cohérent de rester comme ça. Bon, enfin un bon match. 3 tirs, 3 cadrés. Comment qui va, ma couille dans un sloggy là? Regarde-moi ça là. Le 9,5 c'est le SS Shadow Striker sur la tactique anglaise. 11 défaites consécutives, que des buts venus du ciel et moi que des buts hors jeu ou ce tableau. Ah. T'as des parties comme ça. Moi je te fais un. Oh, tout neuf, putain. Ah, le 8 en finition il coûte cher. Hein. Il coûte cher. Merde, c'est qui? Je me souviens plus du pseudo de celui qui regarde aussi. Écoute Gradio Nova ou Benjamin Tranier, je sais plus qui c'est. Ou les gros, je sais plus ce qui regardait le mec. Ah, et Moussa. Moussa, Ampem, bon pressing. Antunovic, faut pas frapper gros, t'es pas bon. Alors qu'Ampem, c'est un bon finisseur. Enfin, l'année dernière, moi. 1-0. Prince Ampem, qui a bien suivi l'action d'Antunovic, qui fait un peu de la merde. La frappe est pas faux folle, le gardien est pas incroyable là-dessus. Mais on prend ce but 1-0 à l'extérieur à Navarazdien. Vorazdien!
Krusty, oui, c'est Krusty, c'est bon, ça me revient. C'est Krusty qui écoute ça. Oh putain, derrière moi, le chef de banque. Chef de banque, chef d'entreprise. Tu te régales. Allez, Ampem encore sur son côté gauche. Moussa qui dédouble. Attention, Moussa a pas laissé un de l'espace derrière. Bazic qui dédouble bien. Et attention à la contre-attaque. Oui, Oh, ça pète côté droit, ça pète côté droit. Attaque de Marlow dans le col du Pourtalet. Belle parade de Kovic. Le gardien adverse. Alenikson rentre, mon grand, vas-y. Et but au Roudourou par Stéphane Guy au Roudourou. Ouais. Oh putain, tous les food trucks. Ah non, c'est des chiottes, ça. Yes, Thomas. C'est bon, ça. 2-0. C'est bien, les gars. On a été solide, propre, élégant, classe, beau gosse, tchac, bang bang. Elle fait plaisir, celle-ci. Elle fait super plaisir. Les petites adaptations tactiques, la petite réflexion. Ouais, pas pour spam continuer comme des lâches. Moi, je veux pas lire mon chat pendant que je joue FM. J'ai pas envie de vous lire. Vous n'existez pas. Très bien, les gars. Très, très bien. Baptiste Vendroux. Eh oui. La moto 6, la moto 6. Le groupe Eto, il est lâché. Jean-René Godard. Ça, c'était bon. Ça. T'as que tu fermais ça d'ailleurs. Ah, moi, j'ai jamais aimé le vélo. De toute façon, c'est un sport de pédale. Ah, oh, qu'il est con celui-là, putain. Parti trop tôt, petit ange. Putain de Marco. Parti trop vite, Marco. Parti beaucoup trop vite. Tac. Qu'est-ce que c'est vraiment en été, c'est. Le Tour de France, putain, pour accompagner une bonne sieste, c'est extraordinaire. C'est exceptionnel. Quel beau sport. J'ai beaucoup de mal à. J'entends bien qu'il y a un côté stratégie, teamplay, équipe et tout. Hein. Ça, je le vois bien. Je le comprends pas forcément comme incroyablement. Pas une incroyable compréhension, mais je comprends bien le côté attaque, maîtriser des saints, pouette avec le guideur. Oh. Ça, je le saisis bien. Mais j'accroche pas. Olympique Lyonnais. Ouais, l'argent, généralement, ça répare un mal-être, hein. C'est vrai que c'est.
On fait tourner, on joue contre Marsonia. Petite rotation. Je vais essayer de faire des changements à la mi-temps, surtout Kurić ou Mpembe. Et puis voilà, match très très calme. Là j'avoue que je regarde plus le chat, j'aime pas trop la coupe. Et on fait tourner les serviettes. Ah, Jean-Clair Todibo, bien sûr. Puis sur Jean-Clair. Militao, solide ça. Je me souviens de ses notes. Ça fait grave le taf. Quelle heure il est, putain. C'est pour ça que je commence à avoir un petit coup de barre. Ça va encore. Ah oh, putain. Oh la boulette. Oui, Nixon. Au physique, mon grand, mon Brésilau, 200 millions l'année prochaine, Nixon. Ça part pas en dessous. Nixon. Grosse stat, Nixon. Grosse stat. Oui, Bilic. Hors-jeu? Tac. Tu as testé la strikerless avec quelle partie, Todibo? Je viens de t'appeler Todibo. Avec quel. Avec le PSG, Toto? Todibo, bordel. Je suis désolé. Oh oui, 13ème de. Ouais, là, ça fait beaucoup, là. On joue à FM pour jouer au foot et se faire plaisir. Si la partie veut pas, ne te passe pas plus de temps que ça. Il y a une autre partie qui t'attend. C'est comme les femmes. Si au bout de 13 fois, c'est pas foufou et que la mayonnaise prend pas, il faut se faire du mal et lui dire écoute, c'est fini. Lui dire écoute, chérie, je vais te clic droit supprimer. Et puis il faut avancer dans la vie. Il y a bien une petite partie en D2 bulgare là ou en D3 roumaine qui te. Surtout les petites roumaines, hein, ça fait toujours. Yes! Alors, attention! On est sur la corde raide. Qui fera le taf. Et switch to the dustbin, exactement. Are you sure you want to delete Werder Bremen? Sauvegarde. To the dustbin? Affirmative. Kill that shit, bro. Oui! Très bon ça, putain, les Romaines. Les Romaines, les Roumaines. D'ailleurs, je la vois plus là, celle qui était à la palisse là. Alors, j'y suis jamais allé. J'y suis jamais allé, voilà. Elle était en bord de route. Bon. Un petit coup dans la cuisine du food truck. Bon, c'est pareil. Yes. Alors, victoire 1-0 avec Sibenik. C'est très bien joué, les gars. Bien joué les remplaçants. J'ai pas fait ma rotation parce que j'ai trop parlé, comme d'habitude. Salut Kaiser. Ça va bien et toi? Alors, j'en sais plus où j'en suis avec laquelle, Kaiser. Quand est-ce que en ce moment. Alors, c'était laquelle? La dernière fois qu'on s'est vu, ça devait peut-être être au mois de janvier quand j'étais avec Mélodie.
Avec Mélodie, ça s'est terminé. Malheureusement. Putain, elle était bien quand même. Ça s'est terminé, malheureusement. Ça faisait vraiment longtemps qu'elle n'avait pas eu de relation. Moi, je cherchais du sérieux et elle a dit je vais essayer. Et la mayonnaise n'a pas pris également pour moi aussi. Donc, elle a fait clic droit supprimer. Dommage, j'aimais bien cette partie. Mais bon, pas sur la même longueur d'onde sur le projet principal du club. Donc c'est vrai que bah du coup, voilà, on n'était pas sur le même projet, quoi. Du coup, après, donc ça s'est terminé fin janvier avec Mélodie. Entre-temps, non, après la rupture, je suis quelqu'un de propre. J'ai relancé une piste de ce qu'on appelle, comment dire, comment on peut appeler ça? Vous savez, donc voilà la fille du mois de janvier. Donc Mélodie, c'était vraiment la partie où j'avais envie de tenter un truc, où j'étais motivé. Un peu une carrière dans un petit club où tu dis putain, ça me plairait bien de faire un long projet, ça prend bien le début. Vous voyez cette partie-là? Bon, voilà. L'échec de cette partie a été un peu dur. Et vous savez, pour vous redonner de la confiance, vous prenez le PSG. Vous téléchargez la tactique qui est dans le top 2 ou top 3 du Steam Workshop des tactiques qui marchent bien. Vous remettez un petit coup. Alors là, et puis vous faites 2-3 mois avec le PSG, vous gagnez 6-0 à chaque match, vous êtes promis à la trêve hivernale. Ponctuellement, ça vous a fait plaisir, ça vous a fait du bien, ça vous a redonné confiance, vous avez passé un bon moment. Mais voilà, vous ce que vous cherchez, c'est des petites parties. Vous avez bien le long terme. Et ben moi c'est pareil. Voilà, j'ai fait une petite partie avec le PSM. Cette petite sympa de Marine. Donc du coup, oh, c'était un soir, c'était après. Un soir de Marseille-Lyon d'ailleurs, mercredi il y a 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, je sais plus. Voilà, le projet pour moi était clair, pour elle était clair. On était un peu seul ce soir-là, envie de se vider la tête. Et puis voilà, oh, c'était sympa, c'était sympa. Et donc là. Donc après Mélodie, après Marine, je suis sur un autre projet plus sérieux avec quelqu'un qui me plaît bien, 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 qui s'appelle Marilyn. Il s'appelle un projet, évidemment, avec qui que j'ai rencontré déjà plusieurs fois, avec qui je m'entends très, très bien. Et voilà, par rapport à cette partie avec la première du mois de janvier, je suis un peu plus prudent du coup. Je vais être plus sûr de moi, j'ai pas envie de faire d'avoir que des aventures de 3 semaines. Parce que bah, il y avait eu aussi Putain, je suis que dans les M, moi. Marion en septembre, Mélodie en janvier, Marine. Et là, Marilyn. Et la mère de ma fille s'appelle Mathilde. Ouais. Et donc j'ai pas envie de refaire les erreurs des 2 dernières pour terminer sur du 3 semaines. Parce que bah, la première fois, c'est moi qui n'avais pas accroché avec celle de septembre. Là, en janvier, c'est elle qui n'a pas accroché avec moi. Donc au bout d'un. Donc là, je la joue plus prudent avec elle, mais on s'est vu au moins déjà 4 fois où tu connais une nana. Bon, il y a des fois où on s'est vu parce que nos filles ont le même âge. Donc on s'est vu avec nos enfants. Donc forcément, tu vas pas non plus lui mettre. J'étais hyper vulgaire, putain, je me suis retenu. Donc voilà. Donc voilà, ça m'intéresse plus les projets sérieux dans tous les cas. C'est vrai que ce petit soir-là, bon, je suis pas contre parce que les règles sont claires pour les deux et que c'est juste deux adultes consentants qui se font plaisir, quoi. Et ça, c'est cool. Mais c'est pas ce que je recherche vraiment tout le temps, quoi. Ça nourrit pas mon petit esprit, ça.
Ça nourrit un petit peu ma confiance parce que ça fait toujours du bien de se sentir désiré, d'avoir. Pareil que ça fait du bien le sexe pour certains, moi je vous avoue que ouais. Donc ça fait du bien quoi. Ça entretient un petit peu la machine, c'est un bon moment pour les deux. De la tendresse, de l'affection. Mais moi ce que je veux c'est du sérieux. Moi je suis quelqu'un de sérieux. Donc voilà. Vous savez toute ma vie privée les gars, mais je n'en ai rien à branler. Oh la vache! Et vous, comment ça va, les gars? Comment ça va? Est-ce que vous êtes heureux? Laël, amour et vous. Tout mal, amour et vous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission. Sexe Radio Libre, il est 23h. Yes! Alors, on va rattraper ce retard dans le chat parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup dit de conneries avant de commencer le match, surtout. Alors, oula, allez, peut-être au. Alors, il est pleuvé. Elle est montée dans le food truck. Non, 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 j'ai jamais eu de rapport avec une prostituée. La fameuse qui vient tous les vendredis au camion, exactement, ça c'était elle. Donc Mélodie au mois de janvier. Piscard de frigo. On est quand même en train de comparer des gonzes à des selles. Bah, je veux rester dans le thème. Hein. Il y a marqué joue à Football Manager, Gérosor, je devais jongler. Hein. Je respecte Twitch. La femme qui sera le TFC. Ouais, des fessées, ouais. Ça, c'est bon, petite levrette fessée. Alors, attention, il est 23h, on a le droit. Bientôt, Mohamed. Ah, oui, d'accord. Oh, d'accord, super. Ah, non. Non, j'avoue que ça m'attire pas. C'est vrai que je me suis rapidement remis en question. C'est bizarre. Non, j'ai toujours réfléchi, est-ce que je suis... Enfin, j'ai toujours réfléchi. Un jour, tu te dis, bon, je me suis encore fait larguer par une nana. Tu sais, t'as toujours un peu de doute. Tu te dis, bon, est-ce que c'est sûr que j'aime que les femmes ou quoi? Effectivement, j'aime que les femmes, quoi. C'est sûr. J'ai jamais... Bon, j'ai dû embrasser un pote en une soirée complètement arrachée. Bon, tant que j'ai pas non plus fait une petite turlute dans les toilettes. Mais non, pas attiré par les hommes. Pas de... Non. Bon, je pense que ma communauté est mature, on peut y aller comme un bourricot un peu. Tu vois, même quand tu mates un boulard... Non mais parlons vrai sérieux, quoi. Quand on mate un boulard, je suis pas là à regarder la bique du maître et dire « Putain, il a un sacré chibre !» Je me la mettrais bien derrière l'oreille. Non, et ben ça, cette chose-là, je me le dis pas. Ça me... Non. Ça m'excite pas, ça m'attire pas. Non. Moi, ce que j'aime, c'est les femmes. Bref, puis alors... ça, c'est sûr. C'est certain. Donc, non, ce sera pas Mohamed en prochain. Je vais rester avec les femmes. J'aime bien. Ah, puis faut pas décoller, hein. Les femmes, ça fait mieux la vaisselle et le ménage, hein. Déconne pas, attends. Gérard, une suze, arrose. Nous retrouvons André, 57 ans, ce chômeur depuis 20 ans, marié depuis 45 ans à Josette, nous raconte son amour pour les femmes. Yes, on était sur Beau Féfé, bien évidemment. Non. Moi, j'aime les femmes. C'est la vie, les femmes. Un pays au hasard. Ukraine. Ouf. Thaïlande. Ah, tiens, on parle de femmes et on parle d'hommes. Et Toto, il nous sort la Thaïlande. Tiens, tiens, tiens. Ah, bah, je vois qu'on a des goûts particuliers ici. Intéressant. Dommage, Ahmed. Ah oui, pardon les gars, alors prévenez-moi, hein, ceux qui sont sur écouteurs ou quoi, ceux qui sont sur haut-parleurs, attention, hein, je m'excuse, je peux reparler de football. Oh, la passe en profondeur, incroyable, ce jeu est fantastique, statistiquement je fais un très bon match. Alors qu'une petite levrette avec une fessée là, putain on est bien. Alors, on en parle au 32-16, Gilbert Brébois, Jérôme Bretel, bonsoir à tous.
Ah, il y a 12 ans. Ah, c'est une autre ambiance, hein. Deux salles, deux ambiances, hein. Bon, deux salles, deux ambiances, on gagne pas contre Istra. Free from Isaiah. Soyez créatifs, hein. Alors Thomas, il a fait aucun changement tactique. Il est face à une ligne de défense basse avec double MD devant la défense. Face à un Lofaté. Ok. Et leur buteur s'appelle 12 sauts, 14 vite, 14. On tente d'aller le chercher. Ahmed au coup franc, au pénalty. Bon, attendez, je vais voir juste la note du gardien pour savoir si c'est moi qui ai chié dans la colle tactiquement ou si c'est le gardien adverse qui a été légendaire. Ouais, on a zéro canon franche, mais 8 tirs cadrés, on n'a pas dû être exceptionnel, je pense, à la finition. Donc tactiquement, ça va être de ma faute. Ouais, 6,9. Ouais, non, c'est ma faute. Tactiquement, c'est ma faute. Ouais. Possession stérile. C'est ma faute. Je vous engueule, mais c'est ma faute, les gars. C'est totalement ma faute. Là, faut pas regarder les stats, hein, dans des matchs comme ça. Parce que là, vous dites, ouais, je me suis fait football manager, lisez le cul. Oui, alors déjà, ferme-la pour commencer. Très bien aimable. J'ai zéro occasion franche, 65% de possession. Déjà, on est sur un début de possession stérile. On a bien arrivé à trouver le cadre, c'est-à-dire qu'on était un peu en forme pour la finition. Le problème, c'est que le gardien adverse, aka Josip Kondrić, alors il est charmant avec son 11 en prise de balle, mais s'il n'a rien relâché avec son 11 en prise de balle et qu'il fait 6 arrêts bloqués sur 8, c'est qu'on n'a pas été assez dangereux. Donc, des attaquants qui ont des mauvaises notes, un gardien qui a des mauvaises notes, ça veut dire que tactiquement, on n'était pas dans d'assez bonnes positions pour tirer. C'est kiff-kiff. 1, 2, 3, 4, 5 tirs hors de la surface et 5 dedans. À vue de nez. 4-4, c'est pareil. Ou 5-3. Donc, on fait pas un bon match. On fait pas un bon match. Le jouer le ballon dans la surface qui doit être un petit peu retiré, centré de loin peut-être. Sur des matchs comme ça. Bon, pas toujours bien, Joe. Toujours bien. Ça doit faire 2 heures de stream là. Ouais. Je sais pas si je vais tenir très très longtemps. J'ai très peu d'endurance. Face au sommeil. Ben oui, moi aussi ça me fait plaisir de vous revoir. Toujours un plaisir de vous revoir. Et puis ça me fait plaisir de voir que ben vous êtes toujours là, quoi. Je me suis dit, attends, tu vas stream du FM. Ils vont être 5 à être là, dont 3 bots, et un mec du Discord qui t'insulte. Je me suis dit, ça va pas être foufou. Mais comme quand j'ai dit sur le Discord, vous êtes chaud pour ce que je stream? Et que personne n'a répondu, je me suis dit, putain, c'est le timing parfait pour stream. Tout le monde s'en bat les couilles, c'est le moment. Ouais, je suis comme ça. Et du coup, bah, je me stream. Mais surtout parce que j'avais envie de passer un moment avec vous, quoi. C'est vrai que. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est que globalement, pour être totalement honnête, j'ai passé une journée assez calme. Et ce soir, j'ai une pulsion de rangement, nettoyage, cuisine. Et tout ça m'a mis dans une bonne humeur. Je me sens bien. Et quand je me sens bien, je me suis dit, tiens, je vais allumer FM, je vais mettre de la musique. Un petit hip-hop jazz qui me détend là, un petit chill cow. En l'occurrence, pas le direct parce que ça s'est fait ban. Mais un petit playlist de 2 heures là.
Et voilà, donc je suis détendu, je suis bien. Et quoi de mieux qu'être détendu, être bien et d'avoir envie de stream que de stream. Voilà. T'es chauve FDP? Oui, bien sûr, merci Toto d'avoir terminé la phrase de Casdé qui était un petit peu dans la fin de la phrase. Foiré, va. Je devrais faire un emote avec mon crâne chauve. Saloperie de Calvas. Intéressant ça. Bon. Aussie Tchèques qui sont chauds les marrons chauds dans ce début de saison. On va y aller avec la même compo. Attendez 2 petites secondes. Bon, tactiquement, là, faut que je fasse attention. Je surveille dès le début du match au lieu de faire l'erreur d'être un streamer et de lire mon chat. Ne surtout pas faire ça. Eh oui. Arrive Kanto, il doit être en train de faire une sieste ou un truc comme ça. Et Lico est passé aussi. Il a dit qu'il regardera le replay sur YouTube. C'est gentil. Petit coucou à tous les gens de YouTube d'ailleurs. Lâchez un pouce bleu et donnez un commentaire votre avis. Non, je m'en bats les couilles. Le mec affecte. Vous faites ce que vous voulez, les gars. Si vous mettez un commentaire, je le lis et je vous kiffe. Si vous mettez un pouce bleu, je vous aime quand même aussi. Moi, le principal, c'est votre épanouissement personnel, les gars. C'est tout. Si ça vous rend heureux, faites-le. En tout cas, moi, si je le vois, ça me rend heureux. Donc, c'est cool. Cette petite tête mal placée ne me rend pas heureux. Dommage. Mezzala MJR. Ligne de défense haute. Ça joue assez large. Ok, on joue bien, on trouve des bons placements dans la surface, là en l'occurrence, c'est juste qu'on n'est pas fort à la finition. Mais c'était bien joué, il y a un latéral qui ne bouge 2 fois dans leur pied le contre. Troisième fois, ça trouve une touche. Toujours ce souci d'agressivité, il faut peut-être que je l'enlève. Sur certains matchs, ça m'est utile, sur d'autres, pas du tout. On a une bonne possession. La ligne de défense haute est plutôt cohérente. On doit gêner mieux que ça la première relance. Toutes leurs passes n'ont pas été gênées, ouais. Pas normal ça. Même si hors jeu, c'était pas normal ces moves. Faut qu'on mette plus de rythme. On va sauter un peu. On va essayer de sortir un peu de cette largeur là. Parce que de toute manière, MJR soutient Mezzala. Mezzala fait pas le travail def, il va pas faire le pressing. En théorie, on peut. Deux ailiers soutien, MO soutien. Ils ont un bloc très compact au milieu de terrain. Ah merde, putain, du coup, sur les ailes, ça revient faire le repli def. Ou à l'inverse, je la joue super axiale.
Ah, je vais tenter quelque chose que j'ai jamais fait face à ce type de tactique, je veux dire. Fais voir si on combine dans l'axe plus serré, qu'on insiste un peu sur notre 10, un peu plus d'ailleurs. Fais voir si ça peut être intelligent face à MJR Mezzala. Ah putain. Non mais. Vas-y, laisse. Le jeu qui s'adapte instantanément et qui passe le MJR soutien en MJR def. Je viens à peine d'appuyer sur changement tactique qu'il a déjà appuyé sur ça. Bref. Sans replay, sans rien. C'est pas logique. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Je vais voir si on bute. Sa mère la bute. En tout cas, sur coup de pied arrêté et dans le jeu, on se provoque des occasions. Moi, non, pas deux fois le dégagement du gardien into but. Pas incohérent pour le moment en termes de retour. Malais, c'est à 6-20, ce qui est exécrable. Je fais rentrer Basic, on va bouffer sur l'aile. Ailier attaque. Toi, tu restes derrière en DL soutien. On compense comme ça. Mario, tu montes. Ça va jouer comme ça. C'était nul à chier, ça. Bien récupéré la boulette par Gutiérrez. Sovcic, Ampem. C'était bien dédoublé côté droit. L'ailier ou le latéral? Le latéral. Mario, t'as le temps, t'as le temps. T'as fait ce que j'aime pas, tu l'as fait. Là, on bégaye dans la surface. Un peu trop patient. Un peu trop patient, donc faut enlever ça. Le rythme est bon. Varier le jeu de passe, plus de mouvement là, faut mettre plus de rythme. Je peux pas aller chercher le match, on est à domicile. Je vais passer mon MJ, mon MC, mon MOSO en MJAT. Un mec de plus en mentalité attaque. Après là maintenant c'est la loterie. Soit on trouve un coup d'inspiration. Aka, soyez plus expressif. Soit on se prend un but sur CPA ou on se fait punir par la mentalité prudente de Osicek. Bazic qui loupe un duel, qui remporte son deuxième duel. Dommage. On perd encore deux duels d'affilée. Bien récupéré Ahmed. Bazic! Il fait le mauvais choix. Mentalité prudente. Mon gardien me sauve le match. Mon gardien me sauve le match, mais c'est pas fini, on va se prendre un but. On va se prendre un but. On va le mettre. Il y avait une profondeur qui n'a pas été trouvée. Ça dédouble pas côté droit. On va chercher côté gauche. C'est bien, vous avez réfléchi. T'as le temps. Là, j'en avais peut-être besoin. Je vais les faire paniquer. Je m'expose à des grosses contre-attaques. Ok. Le but, jouer dans l'axe au maximum. Vraiment jouer dans l'axe dans le maximum, faire que leur bloc soit resserré. Et à un moment, sur du jeu large, trouver un de mes latéraux. Ou un ailier, ou un dédoublement, quelque chose comme ça. Hors jeu, hors jeu, hors jeu, hors jeu. Mais ouais, le but, ça va être de chercher ça. Pardon? Il n'est pas hors jeu? Mais c'est quoi ce placement? Ah ouais, mais là je prends une gigadouille. Oh, mon lof attaque derrière mes deux DCD. Ah ouais, non, mais ça c'est une gigadouille que j'ai pris là. Ah bah je peux rien faire, ouais. Bah non, voilà, bah je peux pas. Ah ouais, mais là je peux rien faire. Je peux rien faire face à ça.
joue en ligne de défense plus haute avec un Lofaté qui se retrouve derrière mes deux DCD. Oh, c'est... C'est plus une Kurzawa là dans le jeu. C'est dur ça. Oh, bah, tu nous coûtes le match, gros. Il a 13 emplacements. Ah oh, oui, non, mais là, je prends une grosse douille là. Hein. Pour quelle raison il est là déjà? Quelle raison? Le ballon, il est centre droit et il est là. Quelle raison déjà? Il remonte pas, aucune raison. Son marquage est à 9 km. Il resserre sur rien. Il remonte toujours pas, ça commence à faire longtemps. Bah, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que là... Bon. Déjà, la première fois, il aurait pu couvrir. C'est hyper bizarre. Bah, ça nous coûte le. Alors, après, s'il n'y a pas. Voilà, ça se trouve. Mais j'aurais préféré le 0-0 en fait, que le 1 partout avec ce but-là. Alors que c'est le même constat, ça prend un point à domicile. Bon, on a croqué aujourd'hui, on fait un bon match. La solution que j'ai trouvée était pas mal, on se provoque deux occasions franches. Ça a plutôt bien joué. Putain, c'est dur de se faire punir sur ça. C'est un peu dur. Un peu dur, un peu dur. Pourquoi Sibenikoula? Attends, j'ai tant de retard que ça. Parce que ça me plaisait bien. Top 5 des deux Croates, ça me plaisait bien. Tac, tac, tac. Salut Stan, comment tu vas? J'ai regardé Leipzig Tottenham partiellement. J'ai regardé le multi sur le Discord avec Mika. Mais Leipzig, ça a joué très très bien. Tottenham, c'est pas sexy, mais bon, c'est Mourinho. Pourtant, quand j'ai vu qu'il mettait Giovanni Lo Celso, Jetson, Bergwijn et tout, je me suis dit, putain, il y a de l'offensif. Mais au final, sans. Je vais pas dire sans. Je vais pas dire sans Harry Kane, parce que Harry Kane, dans les matchs importants, est une grosse merde. Mais bon. Sanson, Véronique, Sanson, Sanson, Tottenham, c'est compliqué, hein. C'est un peu compliqué. Tu rentres demain de vacances, ça va mieux, Stan? Merci Toto, bonne nuit, bisous, j'avais pas vu, pardon. Centré de loin, ça aurait pu être une soluce, mais là en vrai, il faut que je regarde l'état du gardien. Ah, là, c'est grave. Hein. Tes buts sont rapides. Oui, mais ils sont bêtes. Ils sont très bêtes, mes buteurs. C'est un attaquant de pressing et l'attaquant avancé, il prend pas les espaces, il joue de la tête. Enfin, c'est une catastrophe, mes attaquants. Ah, il est con ce match. Le placement, 13 emplacements, sachant que l'action se déroule que centre droit et tout. Franchement, là, c'est un peu douteux de FM là, ce placement. C'est vraiment, vraiment. Je suis pas fan là de ce but. Je suis pas fan de ce but, comprends. Enfin, bref. C'est pas grave.
Ça peut arriver en Croatie. Tant que ça n'arrive pas qu'à moi. Bisous sur la veineuse, bisous sur la grosse veine, bien sûr. Gros baiser. Tu comptes reprendre les transcriptions tactiques. Oula. J'essaye de reprendre FM déjà. J'ai clairement, on va pas se mentir, j'ai clairement abandonné le blog. Je n'ai plus la motivation. J'ai plus la motivation. Et le fait qu'aujourd'hui les entraîneurs changent trop de tactique, pensant que là faut s'adapter à ça, là faut s'adapter à ça, faut être polyvalent, machin, truc. Encore une fois, Rivalilio, Mick Archaoui, qui a pris un abonnement de niveau 1, c'est son 8e mois d'abonnement. Donc 4 mois consécutifs. Merci, Mika, bienvenue. Bien sûr, Mika, la Mick, comme on l'appelle. Bien, comment il va, la Mick? Merci pour ton Twitch Prime. Merci. Également, ah, merci Mika pour les streams sur Discord de Ligue des Champions mardi et mercredi. On n'oublie pas, hein. Merci. Merci pour les beIN Sports, Canal+, RMC et tout. On n'oublie pas les gars du chat, hein, je vous vois. Non, j'aime pas les matchs amicaux pendant les mini trêves de 15 jours. J'aime pas trop, trop. C'est pas. Alors j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Je fais pas. Je dis pas que c'est mauvais par contre. Je pense que ça doit. Ça peut faire du bien, genre une trêve où tu t'as une. Genre une mauvaise période, tu refais un petit match amical pour remonter un peu le. Pour le moral et tout, je pense que c'est bien. Mais les mini trêves comme ça, moi je. Non. Je fais pas. Bonne nuit et au plaisir, Gérosor. Merci d'être passé et d'avoir discuté au chat. Merci bien, c'était cool. Fantasticu! Ouais, en fait, là actuellement. Ah, yes. Oh, c'était un peu brutal, ouais. T'inquiète, s'en bat les couilles. Tant que t'as pu fêter l'anniversaire de ta filleule. C'est le principal. Yes. Et tu vois, en fait, Loïc, là, en fait, globalement, de cool, motivant, sympa, ça serait quoi? L'Atalanta en ce moment, qui est giga stylé, qui joue bien, avec un système assez fixe. Et qui est possible de faire une transcription tactique parce que beaucoup de matchs où ça garde ce système, etc. Les rôles sont clairs, tout est clair. Et en fait, les entraîneurs de foot se disent pas, putain, l'Atalanta, ils jouent un système qu'ils maîtrisent très bien. Et en une demi-saison, donc en une demi-saison, tu as le temps de jouer les 19 autres clubs du championnat. Il n'y a personne qui a mis une grosse race à l'Atalanta globalement. Donc au lieu de te dire, tiens, là ça joue en 4-4-2, je vais jouer en 4-5-1, là ça joue comme ça, je vais jouer comme ça. Gros, un système, bats-toi pour que les gens comprennent et le maîtrisent, recrute en fonction, accroche-toi et joue quoi. C'est vraiment c'est en ce moment, c'est un peu l'équipe qui est sympa à regarder, l'Atalanta. On va commencer par en Italie, puis en Ligue des Champions, là ils ont cartonné Valence. Même si c'est pas forcément un exploit de cartonner Valence, vu qu'ils ont pris 3-0 cet après-midi par la Sociedad, qui joue très bien au football aussi d'ailleurs. Bon. Moi j'aimerais bien que tout le monde fasse comme l'Atalanta, moi je me régalerais. Mais même du Bordeaux, du PSG, Manchester City, je l'ai déjà fait. Ah ouais, quoi. En Allemagne, c'est hyper serré, donc je me dis que si c'est. Si serré, c'est si serré que ça. On doit y avoir des trucs à checker, hein, je pense. Du côté de Gladbach. Du côté. Bon, Leipzig, je l'avais déjà fait à l'époque.
Foufouille un petit peu, mais il n'y a pas un truc qui m'excite de ouf. Nagelsmann fait du bon taf, ouais. Ouais. Il est solide, Nagelsmann. Bon, il faut que je fasse, faut que je provoque quelque chose là. Ben, on va rechanger, hein. C'est une catastrophe, l'autre il arrive à rien. Façon, c'est la peste ou le choléra en attaque, hein, globalement. Ou une chiasse de hérisson. Parce que Mathias Aguirre, c'est une chiasse de hérisson. Cette animation offensive m'agace. C'est malaise. Allez hop. Malaise TV. Let's go. Ouais. Globalement, mais ils sont nuls, mes attaquants. Même les centres, le jeu dos au but. Il y a plein de trucs où ça correspond pas. Peut-être que outre le fait que les ailiers intérieurs arrivent à mettre plus de centres, même les centres à rater, on les trouve pas. Peut-être pas assez de bonnes conditions, quoi, je sais pas. C'est mal, un peu mal branlé ma finition aussi. Ligne de défense très très basse. Ok. J'attends d'avoir les rôles des deux MDC. Et on va voir si on joue vraiment au large. Double MD soutien. Ça va faire bizarre de voir des streams où des gens font des changements tactiques en cours de match quand même. Alors, oh, c'était gratos. Double MD soutien, ça va être très solide, les 4 400 trop là. Une équipe bien bien coupée en deux par contre. Bien bien coupée en deux. Donc lui, il serait totalement libre. Et lui, je le passe en MJRDF. Il y a quelqu'un qui reste derrière pour faire un marquage sur Groznika, leur 10. Soin craintif! On va jouer un peu plus large, vous devez en. Hop, et on saute des lignes. Pas des lignes. La largeur. Excellent 0-0 à la mi-temps. Face à locomotive Mukulativa Chicha. Vous êtes des merdes. Merci, coach. Bon, là, par contre, j'ai envie de voir un peu plus de contenu de Football Manager 2020. Parce qu'à part la possession stérile, le gros, tiens, c'est pas brillant, gros. D'accord. On est vraiment très mauvais de la tête, hein. C'est assez perturbant. Faire si je combine plus vite au sol alors. Clac, 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 clac. Clac, 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 clac. Ok, ça débloque une action. Finition dégueulasse. Mais on avait mis le ballon dans la surface et peu de personnes au pressing. Ce qui était bien. Clac, 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 clac. Ok. Centre mi-hauteur. On est plus rapide à la réception. Samir en enganche. Dommage. Bien revenu. Très bien perdu. La passe de Samir en décalage était magnifique. Il m'a fait peur ce con-là. Ils sont en mentalité positive. Oh là, ça pète, ça pète, ça pète. Va au bout! Va au bout, gamin! Nixon. Catapulte tes grands morts.
Merci à toi. Putain, qu'est-ce qu'ils sont bas, ces enculés. Putain, soyez plus. Putain, soyez meilleur à la finition. Putain. Allez, ballon dans la surface. Des doubles. Comment ça, Brécalo? C'est son frère? Mauvaise tête. Pressing est bon. Pressing est bon. On a forcé le jeu direct et on pète derrière. Ça pète, ça pète, ça. Ça pue, ouais. Aussi pot, s'il décroche là. Stop. Non, c'est son. Ok, c'est son frère, c'est Discount. 13 en saut. Ouais, c'est un complet. Finition qui pue. Gardien qui est fort. Même si la tête était à côté. Ampem. Finition qui pue. Les gars, putain de centre-retour de vos gros morts là. Gardien qui est fort. Finition de merde. On n'est pas récompensé. Ça pète en touche, pas en contre-attaque. Ok. Au côté. Voilà, c'est ces transitions rapides sur les ailes que je veux. Bim. Bam. Orge. Boum. On n'est pas récompensé. Un replay dans le match. Une frappe dangereuse. Bien évidemment pour Lokomotiva. Qui a forcé mon gardien à dégager en corner. Allez vous catapulter, vous et votre famille. On fait un bon match. On n'est pas récompensé. Sur le contenu, c'était mieux. Sur 6 tirs cadrés, il y a 2 arrêts du bout des doigts et un tir en repoussé. C'est mieux que les stats de tout à l'heure sur les 8 tirs cadrés. Le gardien est à 6-7 avec 2 arrêts du bout des doigts, ce qui est absolument nul de la part de Football Manager en termes de notation. Oh, pas d'occasion franche, c'est un peu dur de ce que j'ai vu. Notamment l'occasion de Nixon. Ouais, mais sans attaquant, je pourrais pas gagner mes matchs. Hein, de toute façon, pas de. Il n'y a pas d'entier du cul pour chez moi, gros. Ouais, là c'est le ghetto derrière moi. Mon bureau c'est le ghetto. Faut que je me fasse une machine avant de dormir d'ailleurs. Ouais. Ah ouais, mais on met le ballon dans la surface, on le met, on arrive bien à la mettre. On rappelle une ex. Et ça veut pas finir. On rappelle une ex également. Putain, le had. Il est fort quand même, ce qu'il est. Le gars qui est derrière la chaîne. Le compte Twitter Out of Context Football Manager, il est fort quand même. Putain, il est très très fort. C'est spot on, comme on dit à chaque fois. C'est très très drôle. Bon, d'autre manière, il faut que je le fasse, le changement. Malès, il fait comment le match là? 6-6 en APE. 3 têtes décisives. Il est APE, il fait 3 têtes décisives. Il a cette note-là. Bon, bah écoute, j'irai me faire enculer, et puis c'est tout, quoi. 1m88, 14 en saut. Je peux pas faire beaucoup plus, gros. Il va falloir vraiment que je réfléchisse à l'apport d'Isaiah. C'est tactiquement s'il trouve le taf, c'est que le problème est ailleurs, mais c'est les attaquants. Ça. Ça m'agace. Ça m'agace, ça m'agace.
Titre. Exactement. Vingt-trois heures trente-sept. Oh, sauvegarde automatique, je crois que ça veut dire ce que ça veut dire. Il fait chier ce match nul. Ah ouais, non, mais Romain, en ce moment-là, c'est exceptionnel. Mardi, j'ai fait un 12. Ce qui est très bien. J'aime bien faire mes petits 12 du mardi. Jeudi soir, j'ai fait 50 burgers tout seul. En sachant que jeudi soir, c'est du ponctuel. Suivant s'ils font des soirées ou pas. Jeudi dernier, non, attends. Le jeudi d'il y a 2 semaines, je bats mon record en gros chez eux. Donc au Batiscaf. De 20, 22 burgers. Quoi. Je dis putain, super, un jeudi soir, je fais 22. Putain, super. Semaine d'après, je fais 38. Je défonce le record. Je fais putain. Heureusement que j'avais du stock et tout. Cool quoi. Bien, bien, bien. Parce que c'est vrai que le 22 déjà. J'étais venu avec un peu moins de stock et 22, j'aurais pu faire déjà 30, quasiment. Donc je me suis dit, putain, c'est ok, ça chauffe un peu, je prends du stock. Semaine d'après, je me chauffe, je prends du stock, 38. Je dis, putain, j'ai bien fait de prendre du stock, nickel, j'en ai un petit peu pour demain, ça me fait ma fin de semaine, zéro perte, c'est génial. Ok, je dis, putain, on passe de 30 à 30, 30, 38. Je fais ok, qu'est-ce que je fais et tout. Je fais bon, le vendredi ça continue sur un très bon rythme toujours. Je dis allez, vas-y, je viens avec du stock quoi. Je viens avec du stock pour 60 un jeudi soir de février. Je me dis là, Thomas, tu portes un peu tes couilles quand même, mais vas-y, ça a l'air de répondre quoi. Bah, effectivement, quoi. Je fais 50 burgers en 2 heures. Écart, 2 h 20. Avec des mecs qui ont mangé 2 burgers chacun et tout, enfin des gros dalleux. J'étais là, je fais putain. Et le lendemain, le vendredi, pareil. Je vais à Cultura, je regarde mes stocks, je fais putain, il me reste 18. Ouais, 18 steaks hachés pour le vendredi. Je fais putain, ça doit passer, mais de justesse, quoi. C'est juste. Je dis, vas-y, il me reste pas mal de poulet, je vais faire des poulets panés s'il faut. Les gens aiment bien le poulet pané maison, il est bon en burger. Et après, je termine en disant, bah écoutez, il n'y a plus de viande hachée, mais à la place du steak haché, je vous mets des poulets panés. Et j'arrive à Cultura. Et quand je commence mon service à midi, j'avais 12 commandes. J'avais 12 commandes avant de commencer le service. Dont 11 burgers à la viande hachée. Je fais putain, bon bah. Je fais un service culturel avec 7 steaks hachés, quoi. Évidemment qu'ils sont partis en 1 heure, 1 heure et quart, ça va. Donc je fais putain parfait et tout. Avec les derniers gars qui disent oh les gars, moi je prends un burger, machin. Parfait, tu me vides tout mon stock. Ça dégage. Et du coup, tout est à dégager. J'étais là. Fin du service de Cultura, du coup, je fais un gros. Je vends tous mes steaks hachés, je crois que je fais 6 poulets. Je fais un 24 ou 25. Ça me fait une semaine 75 plus 12, ça nous fait 87. Faire une semaine à 87 burgers un 20 février, ça ne m'est jamais arrivé. Et pourtant, la vague d'évolution de mon entreprise commence l'année dernière. Mais là, une semaine comme ça, c'est exceptionnel pour moi. C'est vraiment. C'est monstrueux. Et puis les retours des gens sont géniaux. C'est trop bien. C'est que du bonheur. Mais merci en tout cas. Merci Romain. J'ai une confiance de fou
sur ce que je fais, c'est indéniable. Et même quand je tente des trucs, ça répond bien, des recettes que j'ai jamais fait et tout, c'est génial. C'est absolument génial. J'ai trop confiance en moi au boulot, c'est ouf. Trop confiance. Ça répond bien, ça répond bien. Puis les gens à chaque fois, quand ils voient qu'il y a du monde et que ça marche bien, mais t'inquiète, prends ton temps. Non. Dis, on comprend. À chaque fois, je dis je suis désolé pour le retard ou que je me fais défoncer et tout. Non, les gens jouent le jeu, sont adorables et tout, donc c'est hyper agréable. C'est que du bon, cette petite entreprise-là. Je suis content de. Je suis tellement content de gagner ma vie avec ça. Nouvelle recette, hein, la semaine pro, là. Avec le pulled pork qui arrive. Burger au porc effiloché. Celui-ci, il va défoncer. Putain, je l'ai testé à la maison, je l'ai testé avec ma mère, je l'ai testé avec ma soeur, j'ai testé à l'époque, j'ai testé avec Mélodie. Ils ont tous validé le burger en disant putain, c'est trop bon, c'est trop trop bon. Même avec le père de la. Même avec le grand-père de Rose, il a testé, il a adoré. Donc là, je pense que lui, il va tout défoncer. Nouvelle recette de 2020, nouveau style de viande, en plus de l'effiloché de porc. Cuisson 5h30 au four. Moyenne basse température. Moyenne bois 140. Je te fais cuire à 145 pendant 5 heures. On peut dire que c'est de la basse, on va dire. De la moyenne température. C'est une dinguerie. C'est juste une dinguerie. Eh oui, Kiki. Kiki s'était régalé. Hein. Oh. En burger, là, juste l'effiloché de porc que je fais un peu revenir à la plancha. Peu de sauce barbecue, deux cornichons, ça suffit. C'est juste hyper cohérent. Un peu de goût vinaigré, un petit goût de fumée. Et puis le goût de la viande et de la marinade. La marinade qui est super bien équilibrée. Et le goût du cochon, c'est beau le cochon. Faut vraiment que je fasse un stream cuisine un jour. Que je ne fasse pas que du. Que je montre que je. Ma vraie passion dans ma vie, mon métier. Je suis sûr que ça plairait aux gens de voir mon food truck, l'intérieur, un peu comment je fonctionne et tout. Faudrait que je vois si le wifi. Bon, après, tu me diras une webcam de pas trop mauvaise qualité, l'ordi portable et rouler jeunesse dans le camtar. Je pense que ça passe. Ah ouais. Ah, mais j'ai. Faut pas que je parle de burger et tout, les gars. Si vous avez faim, faut me le dire. Et puis j'ai bientôt. Enfin, bientôt, non, il y a le temps encore. Je suis à combien de followers sur Twitch? Mille 1700 followers sur Twitch? Non, bah non, je suis loin encore. Parce que je crois que sur Facebook, sur le food truck, j'en suis à 8, 700, 720. 720. 720 followers, on va dire. Sur Facebook. Je suis encore loin. Belle contre-attaque de Zaprezic. Pas normal qu'on se fasse qu'on soit exposé comme ça. Non, Pajic, il a fait la boulette du. Oh putain, je la déteste celle-ci en plus. On va défendre un peu plus large. Parce que ça va jouer sur les centres et sur le physique de Tchouaméni. Ils ont un Tchouaméni en attaque, un gros pivot. Bien solide. Beaucoup de fautes dans ce match et j'en étais sûr parce que nous on est nul de la chier. Nous, on est nul de la chier. On est nul de la tête.
Je savais que nous, on allait le prendre. C'est pour ça que j'avais anticipé, en fait, Football Manager, en enlevant l'engagez-vous plus. Mais comme tu prends en compte seulement les CPA pour l'adversaire, culé de jeu. Putain. On a fait 5 fautes, ils ont 4 replays de coup franc. Ils ont fait 11 fautes, j'ai eu 2 replays de coup franc. Putain! C'est chiant ce jeu de tête, on est nul de la tête. Putain, comment on peut avoir 68% de tête remportée? On est nul. Chier. Centrale à terre. Putain, mais respectez mes consignes aussi, vous me respectez plus. On va faire comme l'année dernière. C'est vraiment, vraiment la consigne la plus pétée du jeu, je le sais en plus. Il marche pas le centre à terre, il marche pas, ça sert à rien, c'est cassé. Ça fait 2 ans que c'est pas réparé, ils sont pas capables. Putain. En force tout le temps. Gros, tu viens de faire un centre flottant. Putain, mais ils me respectent pas, hein, vraiment. Je suis obligé de les motiver. Tu peux pas dire à tes joueurs, vous êtes des grosses merdes. 13 tirs, 9 cadrés, une occasion franche. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, c'est pareil. Deux arrêts du bout des doigts. Il y a beaucoup de tirs bloqués. Parce que la finition, pas incroyable. Et le ballon, il arrive dans la surface. On travaille dur pour ça. On arrive à trouver un moment le décalage. Là, on fait bien sortir leur bloc. Et du coup, on retrouve la largeur, dédoublé sur les ailes qui est bien pris, un bon centre en force. Respectez-moi aussi. Il y avait tout dans cette action, mais dès qu'on arrive dans la surface. Pourtant, je trouve que le rythme est bon. C'est pas une arrivée dans la surface trop lente et tout. Retrait, boum, oui, putain. 10 tirs cadrés pour mettre une frappe au fond des filets. C'est bien. Mon Dieu que c'est dur. Hein. On dirait un titre de boulard, ça aussi. Mon Dieu que c'est dur. Alors, on retourne sur le match. Le placement était nul à chier. Nixon qui perd le ballon. Il a gardé votre positionnement, faites pas les foufous. Très bien, malaise de la tête. Nixon. T'es meilleur quand t'es président des States. Hein. Très bien. Très bon retour propre de Moussa. Ampem, on fait courir un peu malaise. Solide. Normalement, il est solide, malaise. Ouf! C'était beau cette passe. Dommage qu'il était hors jeu. Inspiré par les commentaires, alors qu'ils ne sont pas concentrés, on doit les marquer à ce deuxième but. Pajic. Ça fait des centres flottants depuis tout à l'heure. Genre. Spanja, il a cassé la jambe du mec. C'est très bien, les gars. C'est très, très bien ce qu'on fait. Mais putain, on n'est pas payé. Hein. Allez, Moussa. Une interception là, super. Allez, Spanja. Spanja qui fait trouve Sovcic. Ampem le dédoublé pour l'aider. Ampem qui la joue solo. T'as envie de te la jouer solo, Ampem? Il n'y a pas de souci, gros. Je te passe en ATI, surtout en mentalité soutien. Moussa, putain, mais on fait quasiment jamais de faute. Putain, il y a tout le temps un replay. Allez, les gars. Le dédoublé. Pajic, il est trop. Bah ouais, gros, t'es trop. C'est bien, mais c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? On va faire rentrer plutôt Bazic, parce que si on a une des bonnes opportunités sur le côté droit. Oui, c'était juste ça, son truc là. Tchouaméni, il fait pas un bon match, faut en profiter. Putain, super ce qu'il vient de faire, mais il était hors jeu. Allez, les gars. Soyez créatifs. Je veux vraiment insister sur ce côté droit. On a provoqué beaucoup de dangers à côté droit. Il faut que ça vienne d'un but de Bazic, un centre de Bazic.
Ça vient côté gauche. On provoque le corner. On n'est pas bon de la tête. On le sait, on n'est pas bon. Allez. C'est ça. Je préfère que tu tentes une frappe si on n'est pas bon de la tête et que t'as pas confiance en tes potes. Tente la frappe. Côté droit, côté Basic. Il est en retard. Très offensif. Allez, côté Basic. Ça fait qu'on joue que à gauche. Je vous déteste, Football Manager. On joue que à gauche alors que je demande des doublements sur l'aile droite. Yes. Allez, une touche longue de Basic. Savcic, ça bégaye dans la choucroute chinoise. Côté droit, Malès, trop court. On est premier dessus. Allez, Basic. Basic, bien stoppé. Longue touche peut-être, ou ça joue vite. Longue touche de Basic. Allez, encore une longue touche de Basic. Toujours à surface. Et bah non, on est nul de la tête. Il n'y avait plus de corner. Deux arrêts du bout des doigts. Plus d'occasions franches. T'avais juste un arrêt du bout des doigts de plus à faire et puis on gagnait en fait. Mais bon, c'est dommage. Parce que t'es juste un des meilleurs gardiens de la ligue avec ces stats-là. Mais c'est pas grave. Bah c'est pas le payer encore une fois la finition. Nixon termine à 6,4. Gros souci avec le rôle des attaquants. Gros souci. Nixon. Nixon, c'est pas bon. Allez, ça dégage. On va mettre Antunovic, attaquant de pressing. Let's go. Casse-décu qui est utile dans le chat, toujours un plaisir. T'es nul et t'es chauve. Merci, merci à toi pour ta prestation ce soir. 8,7. Est-ce que peut-être stopper là. Ah, fait chier ce match nul. Méritait mieux. Ouais, pas d'attaquant, pas de but. Dommage, la défense tient bien le coup, mais bon, au bout d'un moment. Chier. Ça suffit. Ils s'en sortent pas trop mal, le petit Gutiérrez et Souma, c'est assez bien équilibré, c'est physique, c'est solide. C'est pas bête, mais. Putain, devant, t'as Nixon, t'es sacrément nul. Il y a moyen que je me fasse une plus-value, ça, c'est certain. Bah non, je peux pas, le gros, je peux pas. Chichi est nul, le gros. Et en plus, Chico. Et tu sais rien. Non, il est pas foufou, Nixon. Chier. Le nom était stylé. Ça faisait un peu petite pépitas, quoi. Mais putain, j'arrive pas à le faire jouer. Oui, Nixon, il a pris une photo. Tout le monde. Nixon, président des States, une marque de montre. Je peux faire une blague avec Nikon. Je vais faire signer. C'est moi qui vais faire signer un contrat à Nikon, à Nixon? Non, non, ça dégage. Quelqu'un qui veut pas lâcher 100K là, putain, ça me dépanne de ouf. T'as pas 100K, mec? Need. Ouais, bah en même temps, 6,57 en 11 matchs. Bon, sur le papier, c'est pas sexy, quoi. Galabru. Je sais pas faire Galabru. C'est le noir. C'est tout ce que je sais. Ce bon vieux Michel. La miche.
Comment il va, la biche? Ouais. Ouais, là, je commence à... Je fais le match de coupe, les gars. On se fasse à Jadran Puric. Je pense qu'après ça, it will be time to cut the stream. Ah, je Nathalie Baye, oui. Je suis fatigué, effectivement. Merci Guy Montagny, on enchaîne avec Sim. Une petite histoire, Sim, quelque chose? Comment il va, Jean-Marie Bigard? Alors, ces deux salopes. Bon, mamie, accroche-toi, mamie. Yes, merci Jean-Marie, calme-toi. Putain. Ah, je suis mort là. Tiens, vas-y, on a perdu pour perdu. On va foutre l'équipe aux aides, gros. Je vais faire ça. Youssouf, Bilic. Just Bilic. Just Bilic, Bilic. Woo! You better run, you better do what you can. Salut Michael. Parti trop tôt, petit ange. Sept degrés à l'ombre, je me souviens plus de savoir. Il y avait une petite voix, Vincent Perrault. Petit bonhomme. C'est l'heure du dodo, ouais, la fatigue. Comment ça sentir la fatigue? On va jouer large, bloc bas, on dédouble sur les ailes, on bouffe. Bouffez-moi cette largeur face à un 4-2-2-2 axial. Faites pas de faute parce que c'est une petite équipe et les petites équipes ont des grands bœufs. Et les grands bœufs, ça saute plus haut que nous, les petits passe-partout. Fort Boyard. Le guide les casse-cou dans les tracteurs. Il dessous et de boya. Putain, quelle voix, bordel. Les paroles, la profondeur du texte. Oh, le petit hey de charisme de Johnny, le mec. Ce soir, on fait 0-0 contre Jadran, donc on n'est pas au top non plus, mais bon. c'est chaud dans le fort habité. La nuit vient de tomber contre vents et marées. Il va falloir en bas. Putain, il m'ambiance là. J'ai envie d'aller me... Oh, j'ai envie d'aller caler en boîte là. T'es chiant. Il y a même la Fontirale et le Real qui s'emballe. Une seule récréation. Oh non, attends, laisse un peu le match. Ses Voilà. poumons, pas le temps d'une Alors, ça donne bien ce discussion. film. Les tigres en Bravo. liberté et le temps qui s'écoule. Mais perdu ou gagné, ce qui compte, c'est que c'est cool. Je suis passe-partout Putain, du trois Fort clés et tout, la Boyard. Corée, Je mais. guide les casse-cou Pourquoi dans les t'arrêtes ta tracteurs. carrière? Qui 903 000 vues. rêve de sous et de Boyard. Putain. Putain, à moi ça, le public est en délire derrière. Grand monsieur. Grand monsieur. Je suis Bah. passe-partout du Fort Boyard.
J'ai pas fait exprès. Pas... Alors, pas forcément grand monsieur, mais super mec. J'ai. Yes. Oh, je... oh, j'ai bifurqué, pardon. Je... Allez, tout le monde debout là-bas. Yes. Un peu ça. Putain, les 5 mecs du plateau télé, là, ils se sont chauffés de ouf. Se sont grave chauffés. Bah ouais, je m'ambiance comme ça, moi. Ouais, je... Voilà. Je vais rebaisser le son. Oh, putain, faut que je réajuste tout. Ouais. Bon, en attendant, c'est pas sexy, là. Je rebaisse le son. Tac. Bim bam boum. 13 tirs, 3 cadrés. La castagne de vos grands morts, messieurs. On bégaye trop, là. Que des tirs dans la surface. Cinq têtes décisives déjà pour les deux défenseurs centraux d'un club de Détroit. 6 interceptions, 2 têtes décisives. Mm-hmm. Donc tu as les stats de Sergio Ramos et au mieux tu t'appelles Serge Ram. Très bien. Bah écoute. Quelque chose, gros. Bon, il revient bien derrière, mais il fait le pas en arrière. Putain. Alors, on joue face à un 4-2-2 axial. On joue que sur les ailes et il maîtrise. Alors, ça, c'est intéressant de réalisme. Ça, ils sont giga axiaux. Casser les couilles. Voilà. Réussi aucune transversale. Ils font des 1-2. Ok, je viens de prendre le but du Barça. Du Janic, ok. Le plus beau 1-2 du monde. Reprise de volée plein coin du gauche. Aucune stat au-dessus de 10 en physique. Il gagne un duel de la tête, 7 en saut. Je me prendrai pas une petite douille là. On perd tous nos duels dans l'axe. Donc là, vraiment, là, c'est l'axe qui est nul à chier. Un contre un perdu. Un contre un perdu. Ça revient en marchant. Ouais. Quoi, mais attendez, attendez, il y a un problème là, là. Voilà, voilà, ça va être mieux. Voir si ça bug moins. Comme d'hab, finition dégueulasse. Centre à terre qui est pas respecté, comme d'habitude. Sumic, aucune stat qui dépasse 10, à part 11 en centre, qui fait un match à 7,8.
J'ai juste besoin de un replay réaliste et ça devrait, on devrait monter au score. Pourquoi on fait du gelon? Il y a marqué quoi là? Il y a marqué quoi là? Il y a marqué bug, BUG. Ah oui, j'ai pas vu. Alors, bon. Il y a un gros souci. Mes joueurs, ils sont. Eux là, ils sont buggés. Attends, si, on va les voir. Voilà. Alors, si je les vois là. Hors jeu. Je vois absolument pas les deux MC. Pourquoi tu... C'est... Non mais il y a un bug là. Mon latéral, mon ailier, il est rentré dans l'axe et il a cherché l'autre. On est 3v2 dans l'axe. Du coup, bah, but sur un tir encadré, pleine lucarne, but retourné du talon. Pareil, là, il cherche que l'attaquant. Il y a un bug, là. Ils sont où? Ils sont sur le terrain. Il y a un gros bug, là. Comment ils font les autres nuls, là? Avec double box, to box. Et... Segundo volonté. Attaque. Que c'est ça. Voilà. C'est ça qu'il faut faire pour qu'ils existent. On est vraiment nul de la tête. En fait, c'est marrant parce que j'ai repéré ça il y a 2 ans dans la partie. Et j'ai mis Centrar à terre, mais comme ça respecte pas. Bon, bah on perd face à Bruno Sencic. Bruno Sencic, 8 en tête. 3 têtes décisives. 10 interceptions. Ouais. Bon, bah défaite là-dessus. Heureusement, c'est de la coupe. Ouais. Bizarre ce match. GG a rien qu'au-dessus de 10 en technique pour son but. C'est bien joué. Bah mon gardien. Comme d'hab. Un par match de toute manière. Ouais. Bon bah ce soir la finition était nulle. L'animation offensive est un peu folle. N'a pas été assez chirurgicaux. Ouais. En tout cas, on a bien réagi en championnat après la grosse série Hajduk, Dynamo, Regica. On termine en championnat sur 6 matchs en défaite. On termine la session. Mais là, ce match en coupe, l'équipe B, elle est vraiment pas chaude. Hein. Déjà que l'équipe première, il faut un peu un exploit. Ouais. L'acharnement. J'ai pas d'attaquant, c'est pour ça mon problème. J'ai plusieurs trucs qui sont pas respectés. Il faut gérer quelque chose. Ouais, c'est la faute. Ça. Sérieux là? Il marque plus. Je suis
suis toujours en fluide avec GLD, DLSO, DLSO, 2DCD, un MAD, un MJRSO, je suis toujours en fluide. Oh là là, putain. Quatre mecs en mentalité def. 6 en soutien et un attaquant retrait attaque. C'est la ligne défensive qui fait. Ça parce que je joue en 4-2-3. Le mieux que je puisse gratter, c'est un souple en mentalité def. J'ai l'impression qu'on met une chicadouille là. Je gratterai rien du coup. Autant jouer comme ça. Tout se joue sur le rôle du MJ en fait. Et comme Thomas est flexitarien, il adore aussi la viande. Il a compris qu'être flexitarien, et si je fais ça, grâce à une viande de qualité, responsable et durable. Aimez la viande, mangez-en mieux. C'est plutôt dev quand même. On ferait couper l'équipe en deux après. Véritablement. En même temps, c'est pour ça que ça repasse en souple, pas en fluide. Intéressant. Ouais, intéressant. Merci Yves Conto pour le resub. Bonne nuit Romain, pardon, je te retarde. Là, il y a des choses qui. Mais si t'as raison, t'as passé une bonne soirée, Yves Conto. C'est le principal là. Bah en théorie, ça, c'est aussi un peu les rôles. Par exemple, un Mezzala, tu peux le jouer en soutien ou attaque, mais non, enfin le Mezzala est un rôle offensif dans tous les cas. Là, c'est assez équilibré. Même si c'est pas mon problème principal, mon problème principal, c'est ça là. Et lui. C'est ma meilleure, une des meilleures notes de mon équipe. Je sais pas comment il fait pour avoir toutes ses passes clés. Très sincèrement, j'ai l'impression qu'il touche 0 ballon par match. J'arrive pas à les voir, putain, alors qu'il est super fort. Il me fait deux passes clés par match. Et là sur ce match-là, c'était choquant de voir qu'il y avait aucun mec, quoi. C'était... Je suis content d'un joueur que je vois pas. C'est ma meilleure note sur le terrain. Bon, après l'équipe est pas fou folle, mais il me met Nixon titulaire. Putain, mais Pantois toi aussi. De toute façon, quand on n'a pas d'attaquant, première chose qu'il faut se dire, c'est que si on n'arrive pas à faire marquer l'attaquant, autant mettre qu'un attaquant de pressing. Au moins il servira à quelque chose. Même s'il marque pas des buts, il servira à faire pressing sur la première relance. Ouais, je sauvegarde et je vais stop là. Bah, c'est toujours pareil, c'est mettre. Changer le rôle du meilleur joueur de l'équipe, je suis pas fan de ça moi. C'est clairement mon meilleur titulaire, donc ça veut dire que c'est le mec qui est le plus dans. Ce qui joue le mieux, qui trouve le mieux les espaces, qui arrive le mieux à jouer, parce que deux passes clés par match avec cette équipe là. Ça veut dire que bon, ça lui correspond quoi. C'est les mecs autour de lui qui font de la merde de ses passes clés quoi. C'est ça qui me frustre. Ouais. Bon, on verra ça la prochaine fois. Salut Zangief, merci. Bah c'est bon ça. C'est un bon parcours. Ça fait un peu de sous-sous.
Ouais, après, c'est pas incohérent comme fonctionnement pour la fluidité par rapport au fait que si t'as des rôles sur un 4-2-3-1, si t'as deux MC qui sont très très def, et si dans comment dire si par exemple. Attends 2 secondes. Ah, par contre, je comprends pas pourquoi ça me les fait passer en structuré en les passant de l'off SO. Ça devrait me les faire passer en fluide, voire très fluide. À l'inverse. Là, ça me fait ça, sérieux? Attends, faut que j'arrête la musique parce que je vais me faire strike sur YouTube. Autant, là, si je fais ces changements, c'est obligatoire que je sois structuré. Structuré, la défense défend, les milieux restent au milieu, l'attaque reste en attaque. C'est plus structuré, quoi. C'est plus clair. Il y a un plus de respect des consignes et tout. Alors que, en théorie, si je les passe les deux en lock AT, on devrait être sur du fluide. Et on passe sur du structuré. Alors que là, en lock AT, ils vont être haut sur le terrain, ils participent aux phases offensives. Les défenseurs ne font pas que défendre, ils sont présents aussi en attaque, quoi. Ça me fait du structuré. Ok. Très bien, j'ai la flemme de réfléchir, je suis fatigué. Ok. D'accord. Rocker. En fait, là où je comprends pas, c'est que pour moi, là où ça devrait passer en structuré, c'est si je mets les deux ailiers intérieurs en mentalité attaque au lieu de soutien, là ça devrait passer en structuré. Parce que là l'équipe sera bien coupée et il y aura bien trois attaques, soutien, défense, machin. C'est pas trop mal passé le stream. Pas trop mal passé, ça, comme je le pensais, et on est à la place que j'espère finir. Ça va être dur de maintenir ce courant un peu alternatif, on n'a pas d'attaque, c'est vraiment le souci de cette partie. Ouais, il y a la mentalité aussi qui fait, t'as raison. Enfin, je suis en juste positif, quoi. Ouais. Ouais. Je devrais peut-être descendre d'un cran. Je pense que ça se trouve, ça joue que sur la mentalité d'équipe, dans le sens où c'est vrai qu'on a eu beaucoup de syndromes de possession stérile. Je pense que là, si je vais voir vite fait les stats équipe. Déjà, on est cinquième meilleure attaque, ça c'est une bonne nouvelle. Ah ouais. On a des bons passeurs. Merci Yves Canto pour le cadeau à Tirwan. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, merci. Ah putain de chaise de brin. Enfin, de table, pardon, pas la chaise. On a 7 matchs en défaite quand même en championnat d'affilée, c'est cool. Mais putain, ça.
Ça bégaye un peu devant le but. Ça bégaye totalement. Ouais, par contre, ouais, faut vraiment que j'enlève engagez-vous plus. Hein. C'est déjà fait d'ailleurs, je suis con. Faut que j'enlève vraiment centre à terre, c'est claqué au sol. On fait centre varié, puis ça sera la loterie. Non, je l'ai pas enlevé, pardon. Que je devrais pas jouer en équilibré. Positif, c'est quand je suis favori, quoi. Et ouais, putain, par contre, il y a beaucoup de matchs nuls quand même. Et la mentalité positive, elle a marché vraiment quand on n'était pas trop mal en humeur face à des adversaires bien inférieurs à nous. Dès qu'on est un petit peu dans la panade là comme actuellement, la positive, on n'est plus si supérieur à nos adversaires et on bégaye. Ouais, c'est peut-être ça a commencé par ça. Ouais, bah oui, du coup, je viens de voir ton message, Joe, mais ça redescend d'un cran. Ouais, bon, bah désolé, Ishkoto, désolé aux gars qui rentrent de soirée ou qui rentrent d'un petit repas. C'est lui, M. Blizzard, je sais plus si je te l'ai dit. Qui rentre d'un moment avec des vrais gens dans la vraie vie. J'ai streamé à partir de 9h ce soir, j'ai fait un petit stream, donc un petit stream, un long stream. Donc voilà. Ça peut être pas mal de faire ça, je pense. Après, mercato hivernal, faut que je corrige le tir, là. Faut pas que je perde de temps, essayer de gratter un peu de sous avec une ou deux ventes et essayer de relancer un peu la machine, quoi. Je sais pas du tout, Efkanto. Je sais pas du tout, du tout. Mais en tout cas, ça m'a plu, soit outre le fait que j'ai râlé un peu, bah effectivement, quoi. Mais ces matchs nuls font chier, on n'arrive pas à trouver la solution sur l'animation offensive. Bah ouais, j'arrive pas à faire. Il y a un truc qui va pas dans ma tactique, je pense. Donc, il y a eu un ou deux buts à la con, vraiment. Mais bon, c'était pas mal. C'était mieux au niveau du match engine ce soir, donc c'était bien. C'est bien quand même. C'est les consignes, ouais, le fameux. Non, globalement, c'est pas un problème. Là, pour l'occasion, ça doit être les consignes. Bon, allez, les gars, je vous laisse. Merci encore pour ce soir. Merci pour les resubs et tout. Merci pour ceux qui sont venus. Je ne penserais pas qu'on serait encore une petite vingtaine, une petite vingtaine, trentaine ce soir. Attends, que ça fait longtemps que j'ai pas streamé et tout. Donc c'était cool, toujours un plaisir de vous voir, c'était sympa. Je vais peut-être traîner encore une petite heure ou deux, mais ouais, bah, une heure, mais grand max, et puis j'allais dodo. Donc je vous dis une bonne nuit, des bisous, plein de bonnes choses sur FM aussi à vous quand même. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. Ciao.